comme on est là, là en phase d'expédition des affaires courantes, qu'il ne peut plus être nommé dans un autre gouvernement. Parce que il a eu son premier ministre ou son président, il est déjà nommé, il est déjà voilà, c'est fini. Voilà, au Bozakoté est mis sur Sili. Voilà. César Kiambo, félicitations. Merci beaucoup, le message est passé. Le message est passé, on n'a encore rien dit. Merci à vous, Trésor Kiambo. Quels sont les chiffres du coronavirus? Encore de nouveaux bulletins disponibles. Au total, nous avons 24 386 cas, 15 412 guéris et 686 décès en RDC. Voilà. Pour l'Afrique? Pour l'Afrique, Afrique du Sud en tête avec 1 492 909 cas, 48 094 décès. Maroc, 478 597 cas, 8 491 décès. Égypte, 174 426 cas, 1050 décès. Les pays voisins de la RDC, Zambie, 70 248 cas, 959 décès. Ouganda, 40 055 cas, 328 décès. Angola, 20 261 cas, 487 décès. Rwanda, 17 068 cas, 131 décès, Congo-Brazzaville 8060 cas, 120 décès, Centrafrique 4 996 cas, 63 décès, Soudan du Sud 4 960 cas, 71 décès, Burundi 1 771 cas, 3 décès, Tanzanie 509 cas, 21 décès. Dans le monde, le pays le plus touché avec 488 203, pas encore un demi-million de morts, c'est les États-Unis. Devant le Brésil, 239 895 morts. On a le Mexique avec 174 657 morts. L'Inde avec 155 840 morts. La Grande-Bretagne avec 117 396 morts. Pour un total mondial de 109 735 851 cas. De 84 299 843 cas et 2 420 401 morts. Voilà pour les chiffres du coronavirus. À côté de cela, Batébélé, Bazo, Banabis, Oméa, mais comment vous parlez trop du coronavirus? On a le palu, on a ceci, on a le sida, on a voilà, voilà, voilà. J'ai rencontré hier le directeur général, le directeur national du PNLS, Programme national de lutte contre le sida. Dans le journal, vous aurez les chiffres du sida avec de gros problèmes quant à la médication, puisqu'il n'y a que 60% des malades positifs qui peuvent prendre des soins et qu'il y en a encore de nombreux autres qui sont contaminés, mais qui soit ne le savent pas, ou alors parce qu'ils ne veulent pas se dépister, ou alors qui le savent mais ne veulent pas se soigner. Voilà. Pour ce qui a lieu de dire des autres maladies, malaria, sida, on va de jour en jour commencer peut-être, puisqu'au sida on nous dit que c'est possible d'avoir des chiffres, mais pas avec la même méthode que pour le coronavirus, c'est pas un dépistage automatique, mais c'est des calculs et des statistiques. Donc on va appeler qu'au fond, on va avoir maladie, parce que coronavirus, c'est ça, ou maladie, ezo, sévir, na congoté, surtout que na mbokanabiso, ça sévit moins que beaucoup d'autres maladies. Rien à ajouter? Tout comme un message d'Abino 085 210 11 11. Merci d'avoir été nombreux à nous laisser vos messages. Et puis, on va parler ce soir, tiens, je tiens à le dire, de révolution du sol sur le sous-sol avec monsieur Joseph Antoine Kasonga Mukuta. On parle agriculture ce soir dans le face-à-face spécial gouvernement après la désignation du Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture qui sera l'invité de face-à-face à 19h45. Première diffusion, rediffusion minuit, rediffusion demain 7h du matin et 13h. Bonjour les débats, comme c'est un message épais à Augustin Kabouya, message n'a pas un message à tristesse vis-à-vis d'un comportement naïf. On a des combattants, on a un parlement debout, on a une cellule chaque dimanche, mais un comportement naïf, on a la bien fait dans ma cambozo, on a des médias. Ceux qui bisognent ce truc, c'est ça qui félicite, c'est ça qui prend un changement. Mais les autres, ils ont un changement, ils ont quand même pas un bâton. Mais qui est Augustin Kabouya, sa vie a changé. Elle a changé Kolata, a changé Nituka, a changé Bandaku. Mais tu sais, combattant a changé. C'est qui nous pose un petit peu. Pourquoi n'est pas qu'au Kangamoun? Si les lots changent en accepté, mon côté est allé. Makamazo le bateau d'accord, n'a pas été malade de ça, le bateau. Et puis, on était quand même sa mère. Rien que la plateau en Algérie se reconnaît qu'il était incapable d'expliquer aux Congolais comment est le coin de ce moment. Lorsqu'il dit oh Sabina, Akena, Kachama, Tabounabo. Mais c'est un territoire congolais. Il est libre d'aller où il veut. Il peut expliquer ça comment. Il veut dire quoi par là. Atikabilo Kouana. Et puis, comme il s'est langaillé, moi, les CCO et les Olobaké, le bien ne fait pas les bruits et les bruits ne fait pas les biens.
Bonjour papa, Moïse Donzang. On a deux questions. Première question, cahier des charges, on a 35%, il y a réalisation. Et deuxième question, maladie dans la chaîne mobile, il y a un homme qui est papa François Ngomba, à qui est le caca Tumbi, mais tu veux qu'il dévoue ce qui tourne avec le caca. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Troisième, dans la moni, un haut cadre à la Mouka a publié photo et a. Nouveau Premier ministre Renan Kabila. Est-ce qu'on peut poursuivre cette personne parce qu'elle a commis que c'est François Mamba qui était allé chez Kabila. Voilà maintenant le candidat. Après, c'est la photo là-bas. Est-ce que ce sont des affirmations vraies ou fausses? Et est-ce qu'on peut le poursuivre? Oui, bonjour Top Congo, bonjour tout le monde. Christian Sakweno, le Congolais va aller éternel insatisfait. Ministre ba nommé lobby wana premier ministre na komi sumabe komi batia mususu na ebite aza kabiliste voilà mais tout le monde aza kabiliste na mboko yo muto ko to ko baza kabiliste to akanga photo na kabila eza papa Tshisekedi pour tout le monde même Félix avant azwa pouvoir a to mona bakangi ba photo ba photo bimine internet ya ministre wana bato abosa ni kaza ki ancien ministre ya sport ya mona bakanga ba photo to ebite na mboko ba nomé sou nani toke ndo lukande ba ange ou bien ndenge nini to tia nani kasi biso nyoso to to passé na poka kabila to zaki na mobutu to komi na kabila ko ba tia nani yo abota mi lelo ba kendo tia ministre po za la kabiliste te toujours comprendre sou te penza. Allô, bonjour les débats. Les Angaïs, mais c'est mon nom à partir de la commune Andjil. Papa Thierry, je me suis dit que je suis un peu plus de temps. 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 Ako akompanye bino na plas wana. Kono wala nima sefe ake la. Kwe bagate, posisyon na ye. Plas wana pe ebouina mwa mwa si mousouswa zala wana. Nek mwa zala katre vreman. E sa la rabiso bie me. Alor nek mwa mwa si la di. Kwa wala lodi mwa na bino de person. A pon an ngay vreman. Bonjour les débats. Abengi na boma na za chauffeur taxi men. Awa biso boma don chaka tire komi trop na mituka transport. Awa konsanga na sali. Le policier nyo sa koma ne roulage. Policier nyo sa koma roulage. Na ba soucia ti bazala raske. Bango nyo sa na ba gilien ou ba choisi be wa ba roulage. Bango nyo sa na balabala don chaka tire za makati. Tozo kokati. Botala yusu li kambo. Merci. Allô, bonjour les débats. Na ina ye ba situation Roger Lumbala. Banda bakanga ye ti lelo na ebi jasi ya samba ou bien azara sa na kati ya boloko proche na ye ti siko eza ndengeni situation na ye eza ndengeni. Allo le débat, bonjour. Ade mine depuis na makala moko sana na ku general kasima. Bonjour sa biso na makala ara na kasima lala tope mati bakuluna donc batomboki baye grave pardon mon général ça non fait quelque chose. Oyo bouke non kumina makala ana kansi malala kubanda rompe ti mokulu tio kita bakotaki zengi sana obuke non kamana babisi bakuluna tofuma ti bakuluna bawasemisio mal à l'aise chaque jour litofa donc rancine na bango ekotina bapolisie bapolisie baza kotati na veni kwala kwala na bapolisie baza na se kote ya non bapolisie bakoti rancine ya bakuluna amoni mwana sekitikotase bapolisiemwana lekolaki likotase bapolisie kuna bakangi mwana ya likola amaki kota likola bapolisie koto bakangi pardon mon général kotana na masala au buke na komina masala. Allo, bonjour Top Congo, c'est Patrick Chol. Je félicite excellence le monsieur président chef de l'État, Lengi a nommé le premier ministre. Premier ministre peut te souhaiter une bonne nouvelle année, une bonne service, mais ce que nous, peuple, nous déclarons auprès de vous, mais car pour la licence à salaire, il y a bisous peuple congolais, donc nous avons mal payé les lots, les gens qui nous sont à 80 dollars, à 50 dollars, au moins, on va en Nengeni, au foot à Minerva, Nengeni, au foot à Ndako, à Nengeni. Donc, premier, il y a un peu de salaire, attends, on dit, ministre à travail, salaire à peuple congolais, et ça m'a bé ma cache. Et ça m'a bé ma cache, m'a bé ma cache. Bonjour, Top Congo. Il a des gens qui ont été en train de se faire. Dans cette année, il a dit que le chef de l'État a dit que le nouveau premier ministre a dit que le chef de l'État a dit que la population est le gouvernement. Jean-Michel, Samu le Congo, demande à l'âge de 44 ans. Bien qu'on a un nouveau premier ministre très jeune pour aller remplacer le Cambois avec la salle de l'autorité morale, la présence de la population. C'est-à-dire que c'est une question que je vais vous dire. La
voiture. Et la capella ma vice premier ministre, majorité face au gouvernement na ye moko e ko répondre na ba besoin à peuple congolais et comme il est sous mabé non ça c'est la haine ya on enseigne na président de la république na mona la photo na yo au chalo boko droit tirer tout droit kinde ka liboso ko zonga li sous si maté pour ye moko za la redevable devant le peuple na 2023 donc ça la o ça la malam pour na peuple holanda gauche droit tité tafle le débat. Bonjour, madame la Bosona Kota. Tafle le débat. Naï Nazana Mikondo, la zone de santé ya Kitimi Naza Mungang. Vraiment, Nazo regretté. La ligne Natuna, général Kassongo. Na major Oyo ya groupe Jemi Soudi Jemi. Oye, komi donc, Kilanga, ya Bajan, ya Jemi, ya parquet, koyako déranger biso chaque fois. La Zotambola, na be se outi et pas comme major na bangoso ki commanda ki lolo ya jemi. Donc chaque fois il y a groupe de 10 personnes. Bako yana centre, nous on contrôle mikanda, nous on contrôle ba produit expiré, vraiment bako kota wana bango moko ba zota na ba produit expiré. Soko za souplete, ba bwa ke li yo soit na place ba kishi na yo soit na poubelle, na ampula ba dipirone ya kala, après ba kanyo, au lieu ba lusi ki sambi za ote ube basa la sogini, bako longola yo na komina kimbanseke, parce que nous avons machine na commune machine. Donc, on va faire violation. Alors, amende, kuna avons une amende de $1,000, $1,500, $500. Mais c'est bon, on a une amende. Et on a tout général Kassongo. Si on a dit que vraiment chéri, pardon, yaya. On a général Kassongo. On a major, on a Jemi. Jemi d'abord, et la Kishinini. Et puis, Jemi, Moussala na bangonini. Moussala na bangonini. Deuxième préoccupation, on a eu. Et ali, batwa parquet. Parquet, les sous-souna, batwa parquet. Pour qu'on nous contrôle dans le dispensaire, pour qu'on ait une infraction, pour qu'on ait une limite, pour qu'on ait un parquet, pour qu'on ait un caterine. Si on a tout le monde, ordre de mission, pour qu'on ait un prouvé, mais c'est chef de zone à prouvé, pour qu'on ait un. Bonjour les débats. Je suis M. Gabriel Labéino Rabandal. Félicitations à vous, Moussa, à Bino Bouzoussala. Mais, côté à Mamadini, vous m'avez un peu changé, Christian Sakouen. Il y a normal, t'es tourné sur les réseaux sociaux, à bon Michel Faba ADF, voilà, mais bien la journée, nous boulot de la route. Si il fait un distance ou gagner du terrain, toujours là, on va faire finir la chaîne, nous sommes sur le bel arrêté. Donc, bien nous, quand on a bon, il y a ADF, il s'allie moi, tac, et Christian Momoui, malamment, comme il m'a dit, que le bel arrêté, 7 morts, 8 morts, il y a bon côté, il y a un bon côté, il y a un bon côté, et Marco, on a vu ça, il y a un bon côté, il y a un bon côté, voilà, on se fouche directement à un programme, à traiter après information, et Marco, je s'en vais. Pour la faire dessiner dans le progrès, c'est la terre. Allô, Top Congo. Gai maman Anne, na sala rana, société à Kilomoto, na venu du Sénégal, et na zotu la dino kiri na soucien. Donc, le commande à ma cambouza, na sa la société à Kilomoto, wanan. 100 mois, il y a un paiement, batona bazo vivre, n'ingini, to zo souffrir, to zito lobi, to lembi, société à Kibari, à Sana Mongo, la société Wana, à Zolinga, pour Pesate, Christian, et au Kotakanaba, pour moi, au Télavisionnalona,
et pas le président de la République. Si le monde est la société, mon copain est là pour contribuer la carte à budget en boca, les loups qui va boire à mon déguéouana. Allô, bonjour les débats. Isa, Fortina, Nabengi na commune à Kalam. Allô, bien, a qui aussi a visé comme les zones. Comme si justice c'est ça qui est vrai, comme si toujours comprendre. Mais on a posé la mise à qui. Salut le débat, bonjour monsieur Thierry Kamboundi, bonjour monsieur Christian Lusakwelo, c'est monsieur Papi Kadioko. J'allais juste te demander, nous félicitons d'abord la nomination du premier ministre jeune de 43 ans. Vraiment, nous avons félicité le président de la République d'avoir tenu compte de la jeunesse. Et je crois qu'il a encore des sangs chauds. Et il va vraiment travailler à la vision du chef de l'État. Et puis je demande, est-ce qu'il n'y a pas compatibilité en tant que premier ministre et directeur général de la Gétambine? Et puis, j'allais aussi demander, M. Thierry, hier, il y a eu un débat entre moi et un confrère. Il m'a dit que le gouverneur de la Banque centrale a un mandat sélectif de 6 à 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'au moment de Mobutu, nous avons connu des gouverneurs de la banque. Et puis quand Mosé est venu, nous avons encore connu un gouverneur de la banque. Après Joseph Kabila, nous avons connu un gouverneur de la banque. Est-ce que pour le président de la République actuelle, il doit aussi nommer un autre gouverneur de la banque? Alors quels sont les critères? Chaque président, après l'élection, il a le pouvoir de nommer un gouverneur de la banque ou le gouverneur de la banque, c'est une personnalité qui reste pendant un mandat de 6 à 9 ans, comme a dit le confrère. Allô, Top Congo. Bonjour, les courageux. Bonjour, bienvenue à tous les éclairés. Bonjour, M. Clever, na Monga Fula. Nazoukotou na Boye. Boye, bisabiso, na bino batu okota la bakuloa. Est-ce que arrêté oyo, Robert Wabimisa qui a konome bourgmestre, ya koinstalé komine a Minembwe, est-ce que zala ki abroger réellement? Sinon, quelqu'un nous a fait réfléchir, bourgmestre otomona ka simple. Vous savez qu'ils sont capables de donner la nationalité à quelqu'un? Bana, o azoko botama. C'est na commune de Tokenara na bango ko enregistrer bango. Pendant que tout ça dans nos recensements, les types qu'on continue à travailler, il faut qu'on vérifie. Tourner la biso va député acide qui veut est-ce qu'il vérifie ça, puisque bango de bazo ko taille la biso makambo na biso ba qui vous sien. Bonjour pour Congo. Je suis venu à Kumba et à Honorable Moulami depuis la commune de Malène. Dans la préoccupation, je suis venu à Chouchel le Sakon. Je suis venu à le débat et je suis venu à ma basse belle. Moi, j'ai été venu à la commission de Foutakambongo. Je suis venu à la chaîne de J'attends de 11h30 jusqu'à 13h30 pour le Pessimongo pour l'émission de Télécafé de la chaîne de Chouchel et comme émission internationale. C'est finalement Yanni Balé. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de président Kabila, président Tshisekedi, monsieur. Est-ce que vous avez un mot? Merci, bonne journée. Bonjour Thierry, bonjour Christian. Papa, je vous remercie de peut-être pour vous dire que vous Covid est allé pour un abysse au bateau. Tous à Covid à travers peut-être aussi ma place, moi, pour une soirée à Sindiwan et Juillet. Soit que le bateau, le bateau,
Voilà mon tour dans la Rwanda. Merci beaucoup. La bienvenue à la préfère limitée Jamanika. Merci. Bonjour le débat. La bienvenue à la commune Njila, Biba Ujana, Bazamu Kanga, Batu Trona, Poilou, Mbongwane, Kimiwat, Tanan, Kambamon, Babalong, Laba Ujana, Wana Poilou. 085-210-11-11 Totondi Bino Botondi Bonaba Message au boutique Bisson à répondeur Toko Yanolana Mituna Nios Osimaya Flash. C'est tout de suite, c'est avec Myriam Iragi. On se retrouve dans à peu près 5 à 7 minutes. A tout de suite. 085-210-11-11 085-210-11-11 Top Congo FM. Yeba, coronavirus, maladie yambi. Somabo, Tubilabo, Somabo, Amfumu metuba, Somabo, Ningana metuba, Somabo, coronavirus, Somabo, Nyoka yambi, Somabo, Benukeba yani, Somabo, virus yambi, Somabo, Yoke kwa bantu. Kosukosuke manave, ba fievre, tintu pasi, nge mona munganga, Somabo, we mona docteur, Somabo, Somabo, Tubilabo. Mpumu ketuba, Somabo, Minganga ketuba, Somabo, Benvanda na banzo na beno, Somabo. Bampangi, coronavirus ke ya masonga, Bambuama ke fwa, bapovre mpeke na kufwa, Bamindele ke fwa, bandombe peke fwa, Banafleti ke fwa, bambuta peke fwa, Benu keba, keba, keba na coronavirus. FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à tous dans ces flashs d'information. Top Congo FM. L'actualité de ce mardi 16 février reste dominée par la nomination du nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et bien de réactions s'en suivent du côté de la coalition Lamuka. On dit constater tout simplement la mutation de la coalition FCC-CACH qui vient de connaître une évolution. Selon le secrétaire général du parti politique SID de Martin Faelou, le coordonnateur en exercice, le choix porté sur Sama Lukonde comme chef du gouvernement vient confirmer ce qu'avait dit son leader que l'Union sacrée était la seconde grossesse de la coalition FCC-CACH. Top Congo FM. Procès en appel de Vital Kamerhe. Les audiences sont de nouveau suspendues. La Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel d'attendre qu'elle rende un jugement pour savoir quelle juridiction va juger la cause. À l'Union pour la Nation du Congo, UNC, parti de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, on dénonce le fait que la presse n'ait pas été associée plutôt à l'audience du lundi 15 février.
Top Congo FM. Plus de 200 pirogues motorisées des pêcheurs congolais confisquées par la marine ougandaise depuis l'année dernière. Cette situation perturbe sérieusement les activités des pêcheurs congolais. Il y a de moins en moins de pêcheurs actifs sur le lac Édouard et hier lundi, 12 autres pêcheurs ont été arrêtés puis torturés par la marine ougandaise. Leur moteur hors bord confisqué, le secrétaire général de l'association des pêcheurs individuel du lac Édouard qui dénonce les faits plaide pour une intervention urgente des autorités congolaises. Top Congo FM. Voilà, c'en est fini avec cette actualité de la mi-journée. Vous aurez les développements de ces titres d'actualité et bien d'autres nouvelles dans la grande édition de 13h30. Mais avant, vous aurez droit à un flash d'information à 13h juste avec Roger Kalala. Après la page publicitaire, et bien ne quittez pas, restez à l'écoute pour la suite de votre magazine Le Débat. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par EasyChat de Telegram et Equity Bank Congo. Top Congo. Lokisa na lombe ilongwe, lotika kana boto
Vous avez un avis à thèse. Antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, tinga mutuna zando, asomelo radio muke, ocha na biro na yoto na ndaku na yo moko yo kaka makambo oyo ezotu mitabiso. 11h30, Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour toyo kibino ba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala kit, ozali pet, ozala kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule Asika. 11h30 dans Linga les Alibis. Ah, Thierry, changez à tamboulo yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où il y a une possibilité de faire un congé. 085 210 11 11, retour en direct, débat, le débat, deuxième partie, Trésor Kiyombo, Mituna Balandi. Message à Liboso, auditeur à l'Obi, et comment est pas Augustin Kabuya, l'Obi Azali, militant avec DPS. Il se demande pourquoi Augustin Kabuya a quitté, qu'a changé discours naïe ou azo tenir en public. Dernièrement, l'Oba kick les alliés FCC Nde Montekangisa Vital Kamere, mais n'a pas pu le démontrer tant qu'il y a qu'il y a dans les débats. Et puis, il y a aussi que l'Oba Joseph Kabila Kei Kachamata, en fait, à Kimina, na Lubumbashi. Et est-ce qu'il ne peut pas au moins changer discours wana à tenir dans les médias et puis à singi tout est bissaï que le bien n'aime pas le bruit. Verse. Voilà. Et le bruit n'aime pas les bien. C'était surtout pas une question. C'était surtout pas une question. Voilà. Et puis mon tourné pour la moyenne de Nzangi. Exécution en cahier des charges ensemble et comme la Nivonine. Cahier des charges pour l'Union sacrée. Thierry Kamboundi. C'est la question à poser à Moïse Nzangi, mais je crois que Eko et Banamala Moussa qui gouvernement est côté en fonction. Parce que Makomo Ming a repris la cahier des charges de Bango. Tant que le gouvernement est en fonction et tant que le Parlement est en activité. Parce que Makomo Ming a repris la cahier des charges ensemble pour la République. Et Tali, Makamo gouvernement, c'est ce que ça, na Makambo Parlement, c'est ce que ça, bah réforme et tout ça, et puis Makambo y a paix, y a boué boué, et ça Makambo gouvernement. Bon, et puis à Tunis. Et puis il est passé ici, hein, il faut le rappeler aussi. Il est passé pour féliciter le choix du Premier ministre, voilà. Voilà, il y a justement beaucoup de messages par rapport à la nomination du Premier ministre. À Tunina, Moïne Donzang, auditeur à Tunina, et à Monine de Komoko et ensemble, à partir de Bango, qu'on publie photo. Il y a le Premier ministre, il y a Sika Samaloukoun, ancien président de la République. Et puis, il a publié en gros, après ma déclaration, il y a un cadre sur ensemble, il y a François Mouamba, qui est dans le Bombashi pour écouter Joseph Kabila. François Béa, voilà, et finalement pour obtenir nomination, il y a Samalou Kondé. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord poursuivre Mouto à publier photo, on a à partager information et bon. Bon, c'est vrai. L'auditeur a dit que Nani, que Bakenego Senga autorisation à Joseph Kabila pour nommer. Samalou Kondé. Je ne sais pas, parce qu'il y a certains acteurs politiques de la Mouka qui ont tenu ce propos, où il y en a un, je crois, Bandeko Batang Komonae, Devos Kitoko, pour ne pas les citer. Il s'est pas exprimé ici, mais Naoki Batouming, il a répondu à Bazolo Belayango. Enfin, je ne sais pas, ce sont ses propos, mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est. Paul va nommer Samalou Kondé, Oazali à FCCT. Bakenosen a permis pas Kabila. Bon, enfin, je ne sais pas. Dans les tractations, la presse avait dit qu'il y avait effectivement une délégation. Oui, la délégation est allée au Katanga. J'ai lu dans la presse pour rencontrer Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Bon, je ne sais pas sur Isaki. Ndenge bandekona. Le problème est que politicien mort à l'objet qui va créer une autorisation pour nommer Samalou Kondé. Bon, enfin. C'est aux politiciens de répondre à celui qui l'a dit, mais je crois que voilà. On n'a pas plus de commentaires à faire à ce sujet. Auditeur Azo Mituna, comment Batou, avant de causer la Premier ministre Aya, Premier ministre Aye, mais directement, comme il faut critiquer, puis comme il y a photo, il y a Kala ou il y a Kanga, dans le président Kabila, Baboussani, Kataka, ministre à sport, il y a gouvernement, il y a. L'époque, il y a Joseph Kabila. Il n'y a pas que ça. Je me suis endormi en rigolant hier. Tu peux pas imaginer.
Vous voyez pourquoi? Pourquoi? Mon tumoka vit ici. Maï na électricité, mon boulot. Samuel Oukonde doit partir. C'est vrai ou quoi? Je veux dire, le Premier ministre n'est pas en fonction. Le Premier ministre, c'est toujours Ilunga Ilunkamba. Voilà. Jean-Michel Samuel Oukonde a été nommé par le président de la République. Il doit maintenant. Parce que le président n'a pas nommé de formateur, il demande au Premier ministre de lui donner les noms. Donc c'est le Premier ministre le formateur. Il doit donc discuter avec toutes les parties en présence, ce qui, parce qu'apparemment le Premier ministre il a une fonction là un peu plus costaud que celle de Ilunga Ilunkamba, hein, malgré Makambo Tozaosolaté Ozakoloba. Il doit donc voir un peu, faire le dosage de la carte à gouvernement. Alobaki lobby, vidéo, ils allaient sur Twitter et à Top Congo. Alobaki que, à Okende, comme on a un formateur, Modeste Bati Lukwebo, pour être appelé rapport. Le résultat à mon salaire, mon conjambo, qui a rappelé ça, qui est professeur Bassin et professeur Batia, ça par rapport à la poids, il n'y a pas politique. Donc, à tenir compte, il n'y a pas politique, mais aussi et surtout, il y a critère jeunesse, na critère femme. Mais surtout et surtout et surtout et surtout et surtout, en fonction du poids politique de chacun. Donc, bah, au sein du gouvernement, tant au sein du gouvernement, à Kokenekopé, ça va combler pas le président de la République, ça c'est la théorie. Hein. Le président de la République va nommer et après le 15 mars, Ndé Akozala ou non investi à l'Assemblée nationale. Tant qu'il n'est pas investi, il n'est pas Premier ministre. Tant Bokoyo Kaba député, bah, lobby, oui, bah, tel nombre de voix, Tondi Mio. Na programme na yo, tant que na gouvernement na yo. Boyoki Angote, il n'est pas Premier ministre en fonction. C'est toujours Ilunga Ilunkamba qui expédie les affaires courantes. Soki, bon, mais ça, j'en déco, Soki, trésor qui. Mais il y avait une question. Est-ce que Mutabimizi photo na yé na Kabila Basengeli pour poursuivre? C'est ça, non? Non, oui, mais c'est pas. Non, question, il a dit que c'est pas pour le fait que Abimisi, c'est pour le fait. Pour n'avoir commentaire à tirer. Ah, pour n'avoir commentaire. Pour commentaire à tirer. Photo, Pierre Lobby est confirmé. Ah, ok. Que non, c'est une autorisation. En tout cas, c'est une vieille photo. Le président Kabila, il était un peu plus jeune. Même le Premier ministre actuel, le nommé. Je connais même le contexte dans lequel la photo a été prise. Oh, il y a stade des acquis. Visite à Nani. Demi-finale. Na stade des martyrs. Il y a équipe nationale. Oh, il y a stade au Bavandi. Oh, il y a hôtel Mandé na Ebité. Toujours est-il que Samuel Oukonde Kyenge a été ministre des sports, de la jeunesse et des sports, et il a démissionné na septembre 2015. Tango parti naé, bah l'andaki Moïse Katumbi peut passer na qui va bimba la gouvernement. Parti naé zaki oui. Ako. Ako oui. Ako, avec Moïse Katumbi. Ouais. C'est l'occasion aussi de répondre. Je crois qu'un auditeur a dit ici, Tolandango peut-être que Samuel Oukonde n'a pas ensemble. Il n'est pas d'ensemble pour la République. Azali y a Ako. Et puis. Depuis l'élection il y a 2018, Ako Azagi déjà na à Longwa déjà l'ensemble. Depuis Azara déjà soutient à la candidature de Félix Tshisekedi. Donc Tangoutou Félix Tshisekedi Azagi président, Azagi candidat président pardon. Donc Bazala Susuna Moïse Katumbité. Voilà. Bon Ndeko Mora Tunaki, ce qui rôle il y a ministère il y a portefeuille Zanganini. Rôle il y a portefeuille. Portefeuille, c'est le porte des industries. C'est lui qui les entreprises, les entreprises de l'État. Voilà, entreprise, Gécamines, Onatra, au niveau gouvernemental, c'est ça relève du ministère du portefeuille. Ceux qui va nommer, par exemple. D'ailleurs, puisqu'on en parle, bon, et puis que nomination à Samuel Oukonde Kyenge pose un problème. Il y a actuel Premier ministre. Gabriel Kyungu, parce que il est plus connu, mais lui aussi, il était dans le lot des mandataires publics nommés par le président Félix Tshisekedi, mais qui n'était pas encore investi. Bazala qui a investi Teponanini parce que le ministre à portefeuille Sengela qui a signifié Bango. Ce qui président a nommé par ordonnance, ministre de tutelle. Et Sengeli a signifié Bango que nommé et tout ça, c'est sur base. Il y a Mokanda, il y a ministre et tutelle, Ndeba Okenero Banamosala. Or, et ça là qui est plus d'une année, hein. Que Banoma Kibango, Nalomoko Naba Fabien Moutombe, Naba Gabriel Kyungu Akumwanza, donc actuel Premier ministre dans Gécamines, et Bakota qui est en fonction T parce que Bazala qui notifié T dans ministre et à portefeuille.
ce qui trésor qui ont basali tena émission mutumso qui koyate ko remplacer parce que auditeur a le bien mais c'est encore comment la mise au 4 hein. 4 il faut rappeler juste à l'auditeur que nous sommes une rédaction et la rédaction en abisso zara monene monene penzate hein na minute biso tozo sa l'émission awa bande vos missus bazana la rédaction bazo préparer journal donc ce qui tozo qui une équipe moko oh, tu croyais que puiser tout le temps. Trésor azate, maman fait faire azate. Yo, hier à Vanda wa sala, et croyais que c'était possible. Mais si kawa équipe est allée moquer, bah reporter misou bazali na terrain. Et puis maramar Covid, ils ont sala que bisonyon surtout se retrouvera au même moment, le même jour. Donc ils allaient moi pas si. Mikolo kosala 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 oh ya lobiwan. Mais maman fait faire à Rosong et la biso kalamingité. Trésor a kim musala kambala moko. Mais Azarana Bisso, tous les plus fidèles, Nangaï Munaki, je savais, je savais. Voilà qui m'a moussala jamais. Non, Trésor s'est absenté une fois. C'est à qui m'a dit. Ozobanga. Bon, pour mon colo, Kokima, il m'a dit. Voilà qui m'a jamais. Trésor s'est absenté une fois. Maman Fefe, c'est pour raison de santé. Donc, mais l'essentiel, les Araké, même à deux. On peut vous servir. Je peux être fait. Il y a ce message au moins 4 et que Makamoussou se couvre au salaké. Christian Nusakwe no azalaté. Fefe Toulouka azalaté. Tout trésor qui ombre azalaté. Tout trésor, tout Thierry Kamoudi azalaté. Mon koto zara dans l'avion. Baromi baye basa réémission. Donc c'est comme ça. Ça peut arriver. Suite, il y a dossier Roger Lumbala. Ils ont un niveau nini azara kakana boloko. Ça. Azara boloko tiba au Sambisaï. Sauf si on lui donne entre-temps une liberté provisoire. Mais voilà dans un régime nini, parce que Bassambissi était... Ah non, il est en détention provisoire. Il est sous mandat de dépôt, comme on dit en France. Détention provisoire, ça est humilié. Ah oui, il peut aller... Ah, papa, pour ça, ça peut être 6 mois du x2. Ok. Ah oui, ça peut... Et Rose doit tant ébélé, oui. Bon, une année. C'était juste pour avoir ces précisions. Parce que c'est quand même crime contre l'humanité, c'est costaud. Premier ministre Sikayen de Ko a yebisi na ye priorité est à l'amélioration du salaire yabato bato bazozo $50 et même moins que ça vie et zali passi. Puis est-ce qu'il y a une prémature est à l'arrêt pour un premier ministre toba vice ministre après bazar na bureau kuna. Non, c'est le premier ministre, c'est le bureau du premier ministre. Non, c'est le premier ministre, vice premier ministre, ça n'est pas Moussous. Peut-être qu'on pourrait envisager la présence d'un autre ministre à la primature, je cite le ministre délégué près du premier ministre, mais j'en suis pas encore certain. Je n'en suis même pas sûr. Ministre près Azara la primature. Ministre près le premier ministre Azara la primature. Mais vice premier ministre Azara la primature t. Azara na cabinet na bango Azara même en dehors y a primature. Na cimetière qui m'a dit que banda par exemple Gilbert Kankonde Azali Azali Pemen y a nan y a palais du peuple non. Oui. Ouais, il y a lui, il y a qui d'autre Mgopos. Willy Mgopos, affaires étrangères à la vice-premier ministre. Non, c'est Mgopos, c'est Kankonde et. Madame Isato. Et. Madame Isato. Budget. Voilà. Jean Baudet Mayo, Azarana, un immeuble intelligent. Donc voilà. Dans le cimetière, il y a Kimbanse qui banda que tu as de plus en plus auditeur à Sengin, un gouverneur à Kinshasa qui t'a personnellement sur place. Et puis, il y a Mikondo, il y a dans la zone de santé, il y a Mikondo. Ces derniers jours, Bazali a subi une tracasserie, il y a un policier ou il y a Jemi, groupe mobile d'intervention, il y a un contrôle, il produit ou expiré. Il y a expiré, ceux qui a un en haut, tout le monde a un en haut, mais il y a un qui d'après l'auditeur. Ce qui va kangi amende na police tout na parquet ils osent à la caca $1,000. Bon, Christian Sakono, moi je voudrais comprendre. Déjà, recommandation les bosso avant la zone na interrogation na zanango, ils allient que la police va cambier la police et c'est les bosso l'attention na makamo ils osent les cas na ba coin reculé à Kinshasa. Bandekwa Mikondo, bandekwa Mpasa, bandekwa Oya Bakwa reculé. Voilà. C'est vrai que police est un problème effectif, mais il faut vraiment faire attention à ce qui se passe là-bas parce que Babisika Moussou c'est ça, zone de non-droit.
même par rapport à la kuluna boyoka ki mikoleleka ki na mikondo na mokali ba kuluna bazo sévir ba na na commissariat ba policier ba élément la police baza ebelete et tout ça. Vraiment il faut que ba responsable la police na cadre ya déploiement ya ba policier na terrain basa la tension na ba coin reculé ya Kinshasa. Maintenant je ne comprends pas les Cameroun de quoi lobby j'ai mis un groupe mobile d'intervention ils a pire ya kala je crois. Groupe mobile d'intervention na contrôle ya bakisi na centre de santé liba les awap a le bébé bajan ya parquet pe ba komi on sa pe liba les awap même bajan ya parquet est-ce que bazaba inspecteur ya ministère à santé non bazana mandat te ndeko lobi bazana ordre de mission te donc vraiment lien zawapi déjà la police nan groupe mobile d'intervention boke kontrole bakisi bozana compétence nini bino ba policier ya ko kontrole bakisi na nani expertise boza même pas ba policier formé pona makambo wana po ba policier ba médecin policier bazali mais vous êtes le groupe mobile d'intervention boke kontrole bakisi nini. Si ça s'est fait ici à Kinshasa, à combien plus fortes raisons à l'intérieur du ça, pays. Ça, c'est vraiment de l'anarchie. Et c'est, voilà, je crois que. Je rappelle que j'ai un numéro à la police ou à la dénonciation, parce que il s'est tout le temps que j'ai fait ça. Je vais le faire encore, encore et encore. Mais vraiment, ma police, ma cambia la police, et bozo kabiso ma pratique, voilà, et ça, c'est normal. Ndeko Mususu a condamné Top Congo par rapport à traitement et information au sujet y a insécurité dans l'Est et en Mboka. A l'obi FRDC a outi ko bon maman condiment quoi ADF tout le belli en goté mais ba média Mususu le belli ce qui est ali perte et salami dans Ngambou y a ba force loyaliste fait FRDC ndé tout le belaka mais pour nanini ce qui FRDC a gagné terrain tout le belati trésor qui yombo. Est-ce que tu as oublié l'information à la tête? Tu as oublié qui? Tu étais qui en bon, gros? Vraiment, je ne sais pas. Ndeko. Sorry, tu as oublié. Tu as un correspondant. C'est parmi nos meilleurs correspondants en termes de production. Comme on a eu Erickson Louembo, information morote, les gars, on a baigné les cacaïs. Il nous envoie toujours des éléments. Baboma, Babato. Ba FRDC ba gagner terrain neti mikolo ba salaki ba boma bato na ngamba ba ADF to lobela yango toujours ndeko soki na ebite soko landa ki information te mais nous en avons parlé le même jour avec à la clé un papier d'Erickson Louembwe dans lequel il détaille tout ce qui s'est passé après si même masolo ya opération et tout ça donc je ne sais pas pourquoi vous nous en voulez pour le but de la route et tout de l'unité. Tout le bel arango toujours. Tout le bel arango m'a bête. Tout le bel arango même à l'âme. Tout le qui sera paix bakambi. Il y a armée mingi. Oh, le porte-parole des opérations telles, bah, les caca. Likambo ya Kamina. Likambo ya Kamina. Rappelez-vous, bah, confrère, mon sous, bah, bien, c'est qu'une information que 400 militaires, bah, qui mina base à Kamina, n'a pas munitions. Tozoa qui est responsable à base ya Kamina. Il est passé dans le journal de 19h, interrogé par Eric Ambago. Il a démenti cette information. Alobi, Yazali, Azo Kamba Basoda, Basoda Batikala Okimate. Donc, on n'est pas là que pour dire ce qui ne va pas. Quand ça va, nous le disons aussi. Christian Lusakwena, auditrice à Sengi Nayou, au Kota, dans le couloir, au Kota, dans le président de la République, pour un dossier, dans le Bango, il y a Kilomoto, Bazali, dans le problème, dans le Mbongo, où ils allaient pas à Kibali. Voilà, l'entreprise est en difficulté, ils aimeraient que le président de la République s'implique activement. Message entendu, mais Mikolo, dans le couloir, Miko, bah, tiens, tiens, climatiseur Ming, Mali, il est qui. Auditeur Moussous Zalobi, Aoki Procès à Vital Kaber et Bandeli, on dirait Makambu et les Kaiki bien T, Yangwana et Bandeli. Bon, et puis il y avait une autre partie à question, Naï, bien que le message est Katanaki, mais il faudra quand même préciser que Procès et Bandeli T, mais Bakéi plutôt n'a degré Moussous. Oui, non. Ce que appel. Je comprends pas, c'est qu'ils ont redémarré le procès pour redire ce qu'on savait déjà, qu'il faut attendre une décision d'une autre cour, de la Cour de cassation. Thierry Kambundi, explication. Non, mais. C'est ça. Mais bon, avant explication, nous avons nos dénonciations. Tout n'a tel maintenant dit comme moi. Vous voyez que les journalistes, ils ont été dans ma cale pour couvrir le procès. Pourquoi?
ni la chaîne nationale, ni bisoba médias privés, nationaux comme internationaux, autorisés, bisoto pour couvrir le procès. Alors, je ne comprends pas, et loko nini, bazo bomba. Procès à Vital Kamerhe, phase Yaliboso, et l'équipe en direct na télévision nationale. Mikolonio, so top Congo, d'ailleurs, a banaye ko relayé en gros, ti mon colère verdict. Bato ba konana ki ba kei en appel. Appel et Oumeli. Je ne comprends pas. Et puis appel à Ozara, lelo, lobby, lelo, lobby. Si ko yo procès Boboy Presse va couvrir, qu'est-ce qui se cache derrière ce refus? Surtout que depuis, il y a eu certains faits. Bah, ministre, il y a secteur économique et financier, Koutani, ils se sont rendus compte que, Bandako, Onyo, surtout, Balobaki, Ezate, mais les en avaient port. Que la justice n'était pas partie contrôler, il n'y a pas eu de commission rogatoire pour aller vérifier ce que le monsieur Samir Jamal disait. Alors, ces ministres aujourd'hui, commission gouvernementale, au Balobaki, Baokenekuna, solution Zanine. On nous cache, ou enfin on nous empêche d'entrer, on nous annonce des commissions, on n'a pas de résultats, on se rend compte après, avocat, le BIC, oh non, c'est le premier contrat qui avait été payé, c'était pas sous Vital Kamerhe, après le deuxième contrat où c'était Vital Kamerhe, il n'y a eu que 2 millions de dollars qui a été nini, entre-temps Vital Kamerhe avait dit que c'est un procès politique. J'ai même entendu hier, Sango, hier ou avant-hier, qui il commence à présenter des excuses parce que au Makambo Alubaki, pendant le procès à Ekomona, notamment au Kasai, Kasai oriental, que Nyos et l'Obama Kizaki a soloté. Donc, il faudrait peut-être qu'on tire cette question claire, définitivement, parce que sinon, ça va donner raison à Vital Kamerhe, qui dit que c'est un procès politique, et même Human Rights... Ça va donner l'impression qu'on nous cache réellement quelque chose. Human Rights Watch, pour les citer, on parlait de... pas vraiment bonne raison de... d'organiser ce procès. Alors maintenant, qu'en est-il? Pourquoi ça traîne? Et pourquoi on ne nous dit rien? Pourquoi on nous empêche de couvrir ce procès? Grande question. Donc, déjà, à partir de là... Les dénonciations, on a. Et là, qui c'est que pour la suite, et la question auditeur, tout ça, Penza n'a pas élément de réponse T à Ropessa. Nous commençons à nous contenter des avocats. Or, avocat, Azolo Bapo, n'a client naïe. Ce qui est bien, maître Kabengela, merci pour naïe à répondre à Rabiso souvent. Il y a Azolo Bapo en faveur, il y a client naïe Vital Kamerhe. Ce qui est bien, au côté. Ce qui est journaliste à Zalagite, à assister T, à moniter, à se contenter, n'a pas témoignage, il y a avocat, moro la moro, on peut sa version naïe. Donc, je ne comprends pas comment. Bazo Lingate, bas journaliste, bas couvrir procès en appel, il y a Vital Kamerhe et Sami Jamal, na Jano Mouima. Pour quelle raison? Bah, lobby pété. Ils ont un sens à ta moquette, surtout que Bolexa et Bissou ont la télévision. Surtout que ça a affaire à l'État. Ils ont un bon à l'État, au Bofundi, Bango Kebaibi. Donc, on est vraiment limité, pour revenir à la question de l'auditeur, par rapport aux éléments, pour tous couvrir pour CT. Alors, il y a cette question et adressée à Christian Lusakweno. Kinshasa, combien d'avenues? Tu lui lisses, félicitations, faut arrêter. On le, qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Moi, je ne sais pas. Luca. Non. C'est pas que Luca, c'est les avenues qui naissent tous les jours. Les boulevards qui naissent tous les jours. Il ne parle pas des boulevards, il parle d'avenues. D'avenues, ok. Non, Luca pété. Papa Luca Yomoko. C'est quoi ça? C'est bon. Je vais l'aider. C'est pas le débat. La capitale Kinshasa compte 480 quartiers à peu près. Selon les informations aujourd'hui, 480 quartiers. Sikawa, pour n'a pas venu, on multiplie en haut par 50 parce que quartier Moro, c'est à peu près. Qui a dit selon. Oh. Mais ils ont annoté, ils ont remettre en cause dans le. Bien. Les plus grandes communes sont les communes de l'Est. Tu es sûr que dans les communes de l'Est, il y a des avenues? Oh. Non?
Quand je parle d'avenue, c'est quoi avenue? Il n'y a pas d'avenue dans les communes de l'Est. C'est quoi une avenue? Oh, il n'y a pas. Non, je pose une question. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'avenue. Tu as dit 50 par commune. À Lobi, tu dis 50 avenues par commune. J'ai pris soin de poser la question à l'hôtel de ville. Il y a Tunité, Olukité, Olobipe, Korolukate. Si quand on appelle ça, bah, élément, on a zana yango. Après, je voudrais préciser que Motonatuni, il y a hôtel de ville, à l'Obinangaï, à Rosulavu, sur ma statistique fiable dans le ministère provincial et intérieur. Il n'y a pas venu. Mais il y a un quartier dans ma venue, pour une décolle, tout le quartier, nombre de quartiers, nombre d'avenues. À l'Obinangaï, il y a un quartier à peu près 480. Mais qui ça, ça? Et en règle générale, il faut multiplier tout ce que j'ai moyenne, il y a quartier Moko Zaka, bah 50 avenues, donc il faut multiplier. Mais 50 avenues par quartier. Non, non, avenue, c'est, on dit avenue en lingala ou en français? Bon, avenue Zabalabala. Avenue Lubumbashi. Non, Lubumbashi n'est pas une avenue. Si? Non. Ezanini. Avenue, c'est pas une avenue, c'est une rue. C'est pas la même chose. Quand on me demande le nombre d'avenues, quand tu dis 50 avenues par quartier. Balabala. Na lingala, okay. Balabala. Alobi, vous m'avez posé la question combien d'avenues. Ben, j'ai dit je ne sais pas. Il y a rue, avenue, boulevard, il y a même un pass. Et entrons dans l'esprit de la question. Awana Kisasa, Tozana ville ya Kisasa, Tozana ba commune est composée na ba quartier et puis ba avenue. Awa ezara bongo. Bon, yo sou za na ba makamo susu, za logique ya susu. Awa na kisasa, ezara bongo commune, ville, commune, quartier, avenue. La question qui a été posée c'est laquelle? Que Christian Lusaka, la ville de Kinshasa combien d'avenues? C'est là, yo te mutu. Repose la question s'il te plaît. Question à Christian Lusaka, de Kinshasa a combien d'avenues? Voilà. Qu'est-ce qu'une avenue? Au moni o ébité, mais aux autres gars compliqué. Non. Bino Boué, bienvenue. Non, papa, il faut être clair. Comment on me pose une question d'avenue? Ok, qu'est-ce qu'est l'avenue, Kass? Peut-être ça peut se définir. Mais avenue, c'est une large voie urbaine. Oui. C'est pas le Lubumbashi. On peut pas compter, par exemple, Balabala, la Bissot, le Lubumbashi comme avenue. Là, oui, ben, c'est impossible. Bon, d'accord. Impossible. Peut-être ça peut se définir comme avenue. Ben, avenue, je sais pas, moi, les avenues, les styles d'avenue, c'est le. Allez, on va pas parler du boulevard du 30 juin, mais c'est un truc large comme ça, l'avenue. L'avenue, c'est pas une rue. Oui, mais ça, c'est une conception. Je ne sais même. Non, c'est pas conception, c'est définition. Il a parlé français. Je suis désolé, je réponds. Attends, Abina Lingala. Non, mais yo. Alobina Lingala. Yo, posez la question à mon nom. Trésor. Bon, ça va. Trésor, c'est que faut y a yo. Pour moi, il y a aucun répondeur. Auditeur à Lobi, Kinshasa, c'est un balabala boni, tout va venu. De toutes les façons, Christian Lusakeno, ah, on a qui ça, ça, tout bien, balabala boni. S'il te plaît, Thierry, reconnais quand même que je me suis fait avoir. Oui. Et que j'ai bien répondu. Maintenant, le nombre d'avenues. Maintenant, si. Na français, n'est-ce pas posé une question. Le nombre d'avenues, à Kinshasa, il ne doit pas y en avoir 100. Bon, moi, ce que je veux dire en conclusion, c'est que. Yo, boy, nous qu'on réponde. Pour mon question, on n'a pas si mingi. Non. Pour le moment, on a déjà ébélé. Non, c'est pas ça. Non. Sur nos cartes électeurs. Oui. On marque quoi? Lorsqu'on donne la question. C'est pas ça, avenue. Avenue-t-elle? Non. Non, toi, tu n'habites pas sur une avenue. Oh. Attends, avenue ici, avenue Balobi, avenue Kanangaza. Adresse Nabiso, la top Kongozani. Rue Lubumbashi. T'es ? Avenue Lubumbashi, numéro 8. T'es le bac avenue, c'est rue ou avenue ? Avenue. Bon, voilà. C'est vrai que ça sera compliqué puisque avenue est Boutamara tous les jours. Sauf que l'objet avenue est à Balabala. Il y a des quartiers. Il y a la dimension à Champs-Élysées alors. Non! C'est le boulevard des Champs-Élysées, c'est pas l'avenue. Bon, l'avenue même, c'est l'avenue des Champs-Élysées, oui. Avenue des Champs-Élysées. Bon, mais avenue, normalement, c'est bon, de toutes les façons, mais quand on a contexte, qu'on discute, auditeur, Azar, Nakisasa, et pas Awa, Toben, Abavenu. Toben, Abalabal, Avenu. Atouni, Zaboni, Tolobi, quartier, Zara 480, et seront multipliés, mettez aux autres chiffres fiables. Parce que Nabengi, même quelques bourgmestres, pour Natouna, en tout cas, des auditeurs, il y a qui ça, mon bimba, ba ébité.
foro tuna na ba kambi ya kisasa ba bourgmestre ba evika ya ba commune na bango ya kisasa mobima c'est compliqué surtout que ba commune na commune ezan na taille na ye tout donc voilà nous reviendrons avec peut-être jeudi hein, parce que demain on a une émission spéciale. Je remercie Jean-Christophe Ngimbingoma de Bruxelles qui dit ba comprendre que na comprendre que ba est bienvenu té biso non je suis désolé je suis désolé monsieur le bruxellois contexte il y a Bruxelles toi à Paris na qui ça ça est année moroté peut-être qu'auditeur a mis aussi na terme mais ah wana qui ça ça to benga na ou tu l'obas tu l'obas après même na spot avenue Lubumbashi numéro 8 on a compris mais c'est la ah to benga balaba l'avenue mais c'est la manière c'est le responsable c'est Trésor la manière à laquelle il m'a posé la question c'était juste pas bon non Trésor a tangué malaba a tangué malamouté likambouté to luka hein pour toi avancer il faut faire des efforts de comprendre non luka on va chercher pour vous vous faites surtout toujours beaucoup d'efforts. On a commis le col à Thierry Kambundi. Yembe Langanzemba à Claude François le mal-aimé. Vous faites surtout tout, beaucoup d'efforts pour que je me plante. Mais là, franchement, je ne suis pas planté. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Trésor, toi, avancez. Quels sont les critères pour nommer les gouverneurs de la Banque centrale du Congo? Il a suivi quelqu'un dire dans un média que le gouverneur de la banque a un mandat de 9 ans. Non, le mandat, c'est de 4 ans ou 5 ans renouvelable une fois. Une fois. Voilà. Mais à l'OBP, que président, la président est un gouverneur. Non, c'est pas vrai non plus. Normalement, le mandat du gouverneur arrive à son terme, sauf s'il y a problème. Alors, il peut y avoir arrangement pour le changer. Mais, comment ça s'appelle quand ça fait 3 ans que le gouverneur, le président est arrivé, c'est toujours le même gouverneur. Oui, dont le mandat a été renouvelé à la veille du départ de Joseph Kabila. Voilà, oui. Donc normalement, voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer. Ce n'est pas Massangou, c'est Deogratias Mutombo. Mutombo qui a remplacé Massangou. Ouais. Mais gouverneur Massangou à Zagimou. Deux fois au moins, et troisième fois, je ne sais plus, mais il a fait au moins deux. Il a fait au moins. Non, il a fait au moins deux mandats. Oh, à banana non. Non, il était parce que lui il était le directeur général RDC de la Citibank avant d'être gouverneur. Je crois à Coty 2000 parce qu'au début il était déjà gouverneur Soumzé et puis pourquoi je dis entre 97 et 98 parce que Franck Congolais Biman la signature naïe et il est gouverneur au Franck Congolais Biman en 98. Oui, c'est ça. Lui il était déjà voilà. Ouais, t'as raison. Voilà. Comme souvent. Mais. Comme souvent. Non, tu as raison. Oh, ça t'arrive de temps comme en temps. Combien y a-t-il d'avenues à Kinshasa où y habiter? Où y habiter? Nagouda, ça l'effort à Ozoba quartier. Mais le problème, c'est qu'il fallait que le canal nous définisse. Mais je vous dis, j'ai appelé pendant que je préparais l'émission. J'ai appelé 6 bourgoumestres, si vous voulez savoir. Fallait Luka, définition avenue. Non. Moi, je suis quinois. Donc, ceux qui n'ont pas toutes les questions à combien d'avenues. Na ok na conception na binoté bata poto nga na olobela oye qui ça ça pour naibi avenu na qui ça ça ezanine yoza nga pena kinoa ezanine trésor yobo arrêté au ministre Roubaix Roazoa capo na renommé bourgmestre Minembo est-ce qu'ils a retiré on de quoi la vidéo ça là si ça avait été suspendu ça l'application avait été suspendue ça avait été annoncé d'ailleurs par le président de la République le président de la République avait annoncé que c'était suspendu dans le discours il a annoncé à Goma na conférence de presse voilà que à suspendre en gros, mais est-ce qu'il y a un acte qui a suivi? Maintenant, moi, je pars du principe que quand c'est le président annonce, ça se passe. Maintenant, bon, si peut-être ça se passe que les documents ont circulé dans le circuit administratif, tu as évité. Mais en tout cas, le président avait annoncé que c'était suspendu, que son installation était suspendue. Auditeur a évoqué. Ou même sa nomination, Toloba. Tout ça. Parce que Azar a nommé, Abanara déjà au Sala. Mais. Problème est arrangé installation naie. Yango anande salara polémique. Pour Banara déjà au Sala. Parce que nommé déjà du temps de Joseph Kabila. Nous sommes d'accord. Ouais. Mais maintenant, auditeur à lobby, parce qu'il faudra vraiment être de plus en plus regardant par rapport à ça pour Banaba commune débapé Saka, acte de naissance, attestation de naissance. Il se peut que Batumsusu et Bazaïna droite et à la nationalité congolaise, Bazoyango.
à partir Yakuna. Pas faux. Les contrôles ne se font pas. Est-ce que le coronavirus peut être contracté par un par le contact direct avec un animal, par exemple, par le bisou les canards, soi, y a ni ama ezuyo, est-ce qu'il n'y a pas revu au pays ça au coronavirus? Non. Ceux qui ont la COVID, oui. Ont un animal domestique, nanda, transmettre, au groupe ça est maladie. Et ça peut passer par l'animal et atteindre l'homme. Et banal à Niama, non? La pangolin, Balobi. Oui, et où t'as Niama? Mais si c'est transmission de l'homme à l'animal, il faut poser, la question au spécialiste. Retourne à Motuna, de quoi une RBT. Nazo, avant d'arriver chez eux, je voudrais. Nazo Luka, Nanini. T'es homme animal, tu es à devenir Nazo Kounate. Homme animal, je sais que c'était. Je sais que c'est des trucs là. Pourquoi Martin Fayulu a bien raté président Félix Tshisekedi, président Kabila, Kaka, monsieur Tshisekedi, monsieur Kabila? Alors, Walder. Hein? Oui. Pourquoi Martin Fayulu a raté monsieur Tshisekedi? Parce qu'il ne reconnaît pas, c'est quelle question. C'est logique, il ne reconnaît pas. Il est résistant, non? Voilà. Bon, le résistant, c'est celui qui ne reconnaît pas l'ordre établi. Le résistant de Kabila, il ne l'était pas. Pourtant, il l'appelait Monsieur Kabila. Parce que, et il a commencé à l'appeler Monsieur Kabila aussi, dites-le, après 2016. Pas forcément. L'INEB, c'était après 2011. Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, Naibité, il faut lui poser la question à lui. Mais Nayoka est noté à l'Oba, le président, même du temps de Kabila. Nayoka T. Peut-être qu'il a déjà fait, il a pas interviewé Belé, je ne sais pas, mais non, là, il y a et puis qui s'amitié, hein, à bien un monsieur. Mais, dans tous les cas, par rapport au fait qu'il y a bien un président, même du temps de Kabila, même temps, il y a député provincial, tout député national, qui a bien eu le président Joseph Kabila. Il y a souvent, dans le lobby, il y a quand il je était, n'ai pas dit qu'il l'a pas quand fait. Il était, quand il était, au début, quand il était. Député provincial. Oui, alors, Benga a une interview président Kabila. Non, il n'a pas interviewé, mais il parle du président Kabila. Oui, mais où? Oui, bon. Maintenant, parce que l'auditeur a eu Kaka une interview. Ah, ok. C'est à lui qu'il faut poser la question de tout ça. Plusieurs espèces animales ont manifesté une sensibilité au virus après l'infection expérimentale et en milieu naturel lors de contact avec les personnes infectées. Donc, oui, c'est possible. Bien que plusieurs espèces animales étaient infectés par le SARS-CoV-2, ces infections ne sont pas le moteur de la pandémie. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'infection des animaux qui peut être le moteur de l'actuelle pandémie. Yango balobi. Nalo balaningala. Nyama akoki kopesa na moto akoko pesa nyama. Mais nyama kozalate ke yende lokola batu apanzango lokola batu bapanzango. Rappelons que coronavirus batunde batambusa kango. Et tant moula kayango mon côté. 085-210-1111, tout Kassouba, message d'un bilan. Oui, allô, bonjour, le trio. Je suis venu dans la Sidi Bangui, dans le territoire de Congo, précisément à Boussongos, comme on a un débat. Vraiment, à saluer arrivé à premier ministre, chef de premier ministre, chef du gouvernement, mais pas dans l'AIP Bissot, parce que le territoire de Congo en général, vous avez l'AIP, à Mekana, vous avez l'AIP Bissot, parce qu'à moi, convention, il y a l'église qui mangiste. Na l'état congolais pour la école. Ah, va retenir si salaire est l'équipe. Mais surtout, vivre, on va faire une convention, se coquiter, va kata, on va changer, on va l'équipe. Deuxième élément, c'est que le côté tout ça, non couvert dans le réseau. Dans le réseau, c'est tout sur la bonne à l'école, on dit, la matinée à peu près, distance à 2 mètres et demi, porte dans le réseau. Bonjour, les gars. Alors, est-ce que je me tire à Gombe? Mais tu as la retourne à T pour l'année passée, pour la soirée à T. Mais tout cas, moi, la semaine passée, parce qu'on a ancien 4 mois qu'on a régi déjà. Donc, si les lots étaient à la retourne à terre, soit déjà réservé pour la bacade de Bourgogne. Deuxième question, là, il y a beaucoup de gens qui ont un papa, le général Kassouma. Le papa général Kassouma. La position là, il y a des gens qui ont un bateau, ils ont un latin, ils ont un dodo, ils ont un vini. Mais, là, quand, surtout quand je suis là, Djamba et Zomilama en plein air, le club de la zone est fou. Zododo et Zomilama en plein air, Bazo Sarabango et Lokoté. C'est comme si Bango Bazo a permis de remettre la noix, tout comme la zone, sans qu'il va toucher Bango dans le Bakan. Bango dans le Bakan. C'est ça la police, n'a-t-il? Alors, on va chercher bien, on devait commencer par soi-même. Ce qu'on dit, qu'on rentre tout, qu'on.
Il faut d'abord couper tout le monde qui a eu mon corps. Allô, bonjour papa Thierry. On a des questions à tout. Yaliboso, est-ce que y a solo procureur y a sika y a coup consul, coup y a CPI, aza avocat y a Bemba, y a Mibale, est-ce que ce mouta à l'obi de Kambolo Kouta, par exemple, aza opposant? Nandi papa Devos qui tourne à l'obi, qui s'est d'outil à Tina qui batoua et s'est permission et pas Kabila. Est-ce qu'on peut comporter plein de tapis à la preuve? Bonjour Top Congo, on a l'air contre un andakoué va conseiller en boca la bisho. Je voudrais savoir ceci. Pourquoi Badou va conseiller la bisho bazar à Mawa, y'a peuple congolais? Dango bango bazolia, bazomela, na ba mesa na bango, ba fandi bazolia, bazomela, bazosepela. Est-ce que ba mituna ka mituna teke bisho tozolia, tozomela, tozosepela? Est-ce que ça, ba peuple, ba lié déjà topé bango pe bazomela loko la bisho? Moutou moussousou. Azo tambola na tongo alu kane fiskle e mil franco pour aloso alia. Mais tandis que bazana ba provision na bandaku bambongo e bele baso tambola yango, pourquoi ba konzila mboka na biso bazana mawate ya peuple congolais? Je voudrais savoir. Ina bengi bino eti victoire. Yalo baga likambo ba bourgmestre Kinshasa. Ba bourgmestre Kinshasa, c'est comme si ba lingara ba mona ba ona ba fatele. Talande ki a na victoire a. Asi ba pepi ba kira ki ba kira. Ba ma bele nyan swana ezaka na ba kwen kwen terase. E vandi na ngon ba longo la rate, e loko te, e konu ko zonga na ngon lisu na terase. Ata di nou mou repenza, tou sou ka wè wak. Ba bourgmestre nyan sa ba lantana ba mwa mbien ki ba bourgmestre Kinshasa. Bon an nga ba longo la ba mwa ka. Allô les débats, bonsoir. Juste, je ne sais pas, bien sûr que le peuple congolais, tous a trop alarmiste. Nous voulons des fois une chose et son contraire. Premier ministre, il manque à Bini, toujours la photo de poster dans la ligne, WhatsApp, dans les réseaux sociaux, en disant qu'il a collaboré à Kabila, nous sommes au nom, à Zamouana Mouké, à Zamouko, juste à Tony Penza, même à Taïe Soukoutou. Attends, pas pour moi qui est quoi pour un ministre, les gens vont contester CAC. Vraiment, Congo, tout changer plus sur le peuple congolais. Vraiment, tout changer. Tout le monde est là, tout. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Bientôt, là, tout le monde est là, ce sont les plus beaux. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Combien et comment va gérer la déchet pour les gens qui sont là. Au pire, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Comment va gérer un ennemi niveau de David, surtout avec Kinshasa? Salut, c'est Akrano, Rick Ambodi. Autour du gouverneur, il y a Tchop. Bon, il fallait devoir Tchop, les alliés, 10 milliards de vrais devoirs RDC, particulièrement les alliés et devoirs Villa Kisangani. Et puis Villa Kisangani, particulièrement, commune à Tchop, on a une partie, il y a. Plateau, il y a quatre musiciens. Mais, toujours comprendre, dit-il. Bah, parce que, bah, tu vas 150 dollars, 150 dollars. Et allez, Ouganda, a dit qu'on peut faire un bongo, ou bien, bon, on a un gouvernement, tu peux si, bah, tu vas comprendre, tu vas voir mon éclair, qui se mange autrefois, et, Xangani a subi 665. On est à l'époque, et puis ça, Xangani, il a présenté mon bout de 2 500 000. Tu es bon, on a la conférence nationale souveraine en 90. Bobutu a tonga la sanganité. Mais oh, il ne faut pas devoir sangani 10 milliards de dollars. Mais, tu vas comprendre. Mais tu vas comprendre, tu vas 150. 150, ça représente quoi? Bonjour, les débats. Quand tu as un nom, on a un papa de la question. Quand tu as un bureau, il y a un ministre. Bonjour, excellence. Vraiment, la Québec est la prison, il y a un macabre. Quand tu as un nom, il y a un macabre. Après ça, la 21e siècle, mon cas au contact, on a créé une société, si vous pensez, moi, je ne sais pas mon pied, ni les doigts, pourquoi pas ma coco est formatisée, ma caméra administration a pris, je vais la question, il y a un baron qui a eu, c'est une ordinateur, j'ai eu l'identité, là, ma caméra, là, l'ouvre tout, photo. Et je me disais, je la prison, la bonne, pour avoir un retard, je me suis dit, tout est formatisé, quand tu as dit, quand tu as dit, quand tu as dit, quand tu as dit, et en plus, c'est le centre pénitentiaire de rééducation. Dans mon élu, je vais rééduquer ma tête. Ma prison, je vais souffrir de la côte de la mort, mais qu'on s'enga, s'enga. Donc, on ne compte pas à 1 million de dollars. Tout le monde, on a dit, on est bien, 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 on est
Allô, bonsoir, émission de débat. Allô, bonsoir le débat. Oui, un qui dernièrement, directeur, il y a OVD. Alors, il y a eu ce qui est choqué. Et ça, a un nouveau projet qui est jaloux. Il y a le président de la République. Oui, qu'on sera bientôt mis en marche à confirmer qui est dans le mois de janvier. Alors, les deux déjà, tout ça, les 16 février. Mais il y a une question qui s'adresse particulièrement à directeur et à OVD. Est-ce que les fossés qui les élus sont mis en marche? Un peu, c'est simplement avec ce réagissement. Voilà. Allô, bonsoir, Top Congo. C'est de la part de Batoubadi, depuis le campus de l'Unikin. Question à Marine, le maître de Tuna, la Top Congo. Awa, tu vois qu'il est beau sur le Kambou, Yaba.
coalition SFKH, premier ministre pour à exécuter ordre Boyeki, il faut à qu'il consulter l'autorité morale. Ah, si le ministre, monsieur le premier ministre qui vient d'être nommé, Jean-Michel Sama, Azali Moutouya, ensemble pour les changements. Et nous, comme vous l'avez remarqué un peu, ma bien en bouquin à Bissot, bah, député la Bissot, bah, nani, peut-être voter you, toi, en ta personne, apprécie confiance, toi, you, qui est un hémicycle, au communaïo, côté qu'à vos citoyens. Est-ce que les citoyens méritent de faire le même travail que toi, tu devais faire? Est-ce que confiance, ou, bah, la population, apprécie qui n'a eu? Yango, apprécie la citoyenne. Alors, maintenant, la zone, le problème est le Premier ministre. Pour le dire que le Premier ministre est Azam Moutouya, ensemble pour la République. Si on a éliminé Natuna, est-ce que le Kolaï, autorité morale, est Azam Moïse Katumbi? Maintenant, pour agir ou pour prendre certaines décisions, est-ce que Ekozala le CGT, le Kolaï, est Azam Moïse Katumbi? Allô, Bande Koya, Top Congo. Nazo Tuna, est-ce que Batuya a IGF ou non? Bazo, mon ami, comme je l'ai dit, office de route, parce qu'office de route, on a des ordres qui mouillent, y a ma casse. Batuya a IGF, jour, ni, ni, jour, bako, y a office de route, bako, kanga, biloko, belé. Tout ça, a, wa, salaire, y a janvier, bato, moussous, bazo, na banque, moussous, bazo, te. Tile, lo, y a bato, moussous, office de route, bazo, na, wa, salaire, te, bazo, salaire, y a janvier, te, bako, na banque. Na banque wa lobi mbongo ezate bazongi kuna mbongo ezomona na te bamususu bazui na banque bamususu bazui salaire te tilelo bola ndani makambo wana tina fonction tibito zoe bate na fonction fina ofito tseki kompite nini za wana 085 210 11 11. Merci pour tous vos messages. On fait ici la pause. On se retrouve juste après les principaux titres du journal de 13h30. Roger Kalala, c'est dans quelques instants. On se retrouve dans moins de 5 minutes. A tout de suite. 085 FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le point de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous. Des réactions après nomination du Premier ministre Alessi Dey, parti de la coalition Lamouka. On estime que le choix porté sur Sama Loukonde confirme ce qu'avait dit son leader Martin Fayoulou, qui avait qualifié l'Union sacrée de la nation de seconde grossesse de la coalition FCC-CACH. Du côté du regroupement FCC, on n'accorde pas longue vie au 25e successeur de Patrice Emery Lumumba pour Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, la majorité parlementaire sur laquelle s'assoit le nouveau chef du gouvernement est instable. Il soutient que c'est une majorité issue d'une tricherie.
Top Congo FM. Procès en appel de Vital Kamerhe. Les audiences sont de nouveau suspendues. La Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel d'attendre qu'elle rende un jugement pour savoir quelle juridiction va juger la cause à l'Union pour la Nation du Congo, UNC. Partie de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, on dénonce le fait que la presse n'ait pas été associée à l'audience d'hier, lundi 15 février. Top Congo FM. C'était une bonne nouvelle pour les travailleurs de la GECAMINE qui ont appris la nomination de leur DG comme Premier ministre. Samalou Kondé, appelé à d'autres charges, était en plein travail de réorganisation des services de la plus grande entreprise minière du pays, la GECAMINE, qu'il avait trouvé à genoux pour le président de l'intersyndicale du Grand Katanga, Ngoï Kienge. Samalou Kondé servira mieux la GECAMINE en étant à la tête du gouvernement. Top Congo FM. Plus de 200 pirogues des pêcheurs congolais confisquées depuis une année par la marine ougandaise. Sans leurs pirogues, plusieurs pêcheurs congolais sont en difficulté. Il y a de moins en moins d'activités sur le lac Édouard. Et hier, lundi, 12 autres pêcheurs ont été arrêtés et torturés par la marine ougandaise. Le secrétaire général de l'association des pêcheurs individuels du lac Édouard plaide pour une intervention urgente des autorités congolaises. Top Congo FM. Voilà les grandes nouvelles qui vous seront développées tout à l'heure à 13h30. Dans plus ou moins 27 minutes, la grande édition d'information. Je vous laisse suivre la suite du magazine Le Débat avec le trio Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par EasyChat de Telegram et Equity Bank Congo. Top Congo FM. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre. Makambo échangé pour Toyo Kibino ba auditeur. 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala qui tozali peto ozala kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule à Sika. 11h30 dans Linga les Ali. Ah Thierry, changez à Tamboulo Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission Oyo et PSBC possibilité Rokotananda. 13 heures passées de 5 minutes en direct, nous sommes, on répond aux questions, et puis papa, tout à l'heure, s'il te plaît, t'as de retard, ma réponse est à lundi, hein. Tous les groupes WhatsApp sont ouverts, YouTube, Signal, tout ça. Tobé, t'as les solos, il y a tous les gens qui sont venus dans la rue, pardon. parce que là, tout le monde est divisé, et comme Tokaboani, Bato, Bazarana Poto, oh bah bienvenue, non, Bato, Bazarana Congo, pardon, Toza, Bisonio, Sobana, Ekolo Moko, Papa, excuse-moi de le dire. La question m'a été. C'est vrai que le problème à l'origine. C'est pas la question. Le problème à l'origine, c'est Trésor qui a posé la question en français et qui n'a pas. Yemutazongi n'a l'esprit à la lettre, non? Après. Mais l'esprit à la lettre, il fallait Bimisango quand il a posé la question. Ils ont la balabala nin. L'isolo. C'est la balabala. Oui, non, mais alors bien qu'on a français. On a toujours dit, c'est la règle de l'émission, Thierry Kambundi,
je me tiens au principe. Il faut s'en tenir parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne se tient pas. Dans les principes, on a dit question et tout l'ami la français, Torozung est la français. Non, ce qui est Nazuli, comme on a dit, Kalate. Et côté Wana Penza, en tout cas, Kalate n'a pas la moindre impasse. Mais après, non. Je n'ai toujours pas et personne n'aura le nombre de l'avenue. Ne dites pas ça, il y a des gens qui gèrent cette Thierry, non, arrête. Personne n'aura parce que ça n'est... Et si demain je vous apporte des vrais chiffres? Ça, ce n'est tout... Non, mais ce n'est pas... D'accord, donc il faut le reconnaître. Mais ça, je sais que ce n'est pas évident, mais on a des responsables dans ce pays, dans cette ville. Donc, vous êtes en train de me dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa... Il ne sait pas. Je le mets au défi. Ok, oui. Merci. On se voit demain. Okay. Trésor Kiyombo. Bon, demain, c'est émission spéciale Transco, mais quand même... Mais on commence... Transco, justement. C'est le truc. Bah, Transco, les crânes, là-bas, la bonne. Trésor Kiyombo. Exemple, car simple. Sauf que Netinabi, Boitona, Mikonga, là-bas, c'est des nouveaux quartiers. Merci. Bah, venir, et ça démarre. Merci. Au moins, les locaux, mis à venir, Boitami. T'as pas. Ton routier alcool. Et ça va motter. Ton routier alcool, après. Ton routier alcool. Pour vraiment, on a... Papa, Kala, couper sa boutumbo t'es pour à le vivre bien. Donc la longue ligne solo y'a Banambo Kananini. Trésor Kiyombo d'abord il m'a mis dedans en complicité avec Thierry parce qu'il voulait profiter de quelque chose aujourd'hui. Mais voilà. Mais Avenue c'est pas petit. Avenue c'est un gros, c'est un gros truc. C'est grand. Voilà. Et Lubumbashi ne peut pas être une avenue. Voilà. De Kouassi Doubangi à l'obéli, bah, difficulté, bah, j'ai prouvé dans la province de Bongo, l'obéli d'abord, bah, dans le problème, il y a un réseau, à Bengibiso, à Mati, Nicolas, nous étions formés à plus de 2 mètres pour que, à Solana Bissot, bah, trouver les Bongo solutions. Et puis, dans le cimetière à Gombe, et cimetière à Gombe, si, et Tondato, et Tondate, à Mouni. Et Kangamakutu, et Tondako, les cas. Bah, Kundi cadre, moi, quoi, il y a entreprise à l'État. L'ancien DG de la régie des eaux. Oui, ce qui est possible, ce qui est possible, il faut le dire, hein. Le. Soki Moutoua Somba Kavo, on peut le mettre là-dedans parce que Moutoua Somba Kavo, Ezali Moutoua Somba ba place, par exemple à Sombi 3 places, bah Kundi déjà Moutou Moko 2 places et Tikali. Soki Moutoua Somba Kavo peut-être, mais Soki Eza place à Sikal non. En tout cas, il y a Kunda qui est Kuna samedi. Hein, samedi, je suis passé par là. Non, il faut Eza Bazala la Kavo. Police azo contrôlé ba jeune bazo azo lande la ba jeune ba mena ba diamba na ba bala mais na quand le fungu la pe diamba zo me la main à ciel ouvert et kuna bazan l'alcool l'alcool est pesant avant la bonne salle quand le fungu là ils allaient réserver pour nos policiers kuna diamba zo me la main à ciel ouvert alors que ba policier bazo bima po ba lande la ba jeune bazo me la ngo na ba bala paradoxe c'est alcool dio banana. On ne sait jamais. Il y a Thierry Kamboundé. Ok. Moi, j'ai une raison à boire un bout. Toi, tu étais. Geste barrière. Geste barrière. Trésor, tout continue. Est-ce que le procureur a CPI à Zara avocat Jean-Pierre Vim? Hein? Alors, le nouveau. Ah, c'est un Britannique. Ah oui. Azara qui. Tu peux te poser. On appelle Jean-Pierre Vim, on va lui poser la question. Je cherche d'abord son nom. Trouvé... On va répondre. Prochaine question. Tango de vous, ce qui voilà, il se nomme Karim Khan. Avocat. Merci. C'est comme l'actuel ministre de la Justice. L'actuel ministre français de la Justice, c'était l'avocat de Moïse Katoumbi. Les vos qui toquent à lobby clairement que Félix Tshisekedi a signé permission et pas Joseph Kabila pour pouvoir nommer premier ministre. Est-ce que à Kokité Kozala Maroc a porté plainte de tout Maroc qui a rapport à Zali opposant à l'Obandenga Lingi libre et ça les motos libre au Salawa Lingi en termes d'action au Azo Bana Justice. Ce que Moto Monique faut attaquer Ponayango, il est libre au camp en mototé. Mais en même temps, il y a aussi la liberté d'expression. Oui, mais justement. Mais ta liberté, s'arrête de commencer à le faire. Limite. Hein. Ah, ok. Ouais. Voilà, et problème, il y a courage, il y a Bakanivo na victoire, et si Kabalongo li basalte, mais Batiki en Rwanda plusieurs jours, et comme il y a Kozonga et Susu na Kanivo, Bourgoumestre Azo Monato, Azo Monati. Bourgoumestre à lobby, et Zali Kama OVD. OVD Ndemote Sengela Longola Yango.
Voilà. Finalement, Congolais Azo Linganini, parce que tu Luka qui premier ministre hier, mais critique est commis, Kaza Kabiliste, Kaza Mona Mouké, et qu'est-ce que le Congolais attend finalement? C'est le fruit du consensus, Balobi. Pas Nabata Moïse Katoumi. Non, bah, oh, ils ont dit si, ça. Ah, ils ont dit ça, oui. La désignation de truc est le fruit du consensus. Voilà. Il y en a qui disent non. Ah, bah, il y en a, mais bon. Même cas à Katoumi, Balobi. Balobi, que la nomination, Moïse Katoumi a réagi tout de suite. Réagit tout de suite, ça veut dire qu'il savait. Et Mouni Donzang a réagi sur Top Congo, il a vu que c'est le fruit du consensus. Mais il y en a qui ont dit que Moïse Donzang a tort de le dire. Ah, mais qui le disent aussi comme Moïse Donzang l'a dit. Bissot Rotikalakana, la version officielle. Neko ya province ya Chopo na Kisangani le bibango ba victime ya guerre oui c'est les kuna guerre ya 6 jours alors l'Ouganda doit à la RDC plus de 10 milliards de dollars mais ba yoki ba komi ko pesa bango ba 150 dollars c'est Ouganda déjà a pesi mbongo mais bon on faut servir na nini c'est pas qu'il faut l'argent ça l'argent doit sortir on rémunère on dédommage la République démocratique du Congo et à ce moment-là c'est la République démocratique du Congo qui voit ce qu'elle en fait. Et puis Ndeko Ouya a plaidé pour que informatisé contrôle il y a entré peut va sortir de la prison après visite à Salaïko Namonique c'est n'est pas du tout bien ce qui se passe là-bas. Alors c'est une prison archaïque. Voilà. C'est vraiment comme une prison du 18e siècle. Donc Kotikuna va pêcher au carton mon boy. Pour qu'il n'en soit au quotidien un carton, ce qui au bout de ça, au commis prisonnier. Donc, ce qui va se faire, ce qui va revenir sur la carte, ce qui a situé de trop, encore qu'il nous ait compté, c'est très compliqué. Pardon, donc, il y a une visite au bout de carton, on a appelé ça à l'entrée, il y a pour commis prisonnier. Oui, et puis à l'obéli sous ce qui ok, il a mon tête ni les centres, ce qui est qu'on a mato le moro aux arabes demande à bon. Donc c'est vrai que Baza va prisonnier, mais il faut que l'État a veillé sur la survie na bango parce que Bazo senga mini. Et puis ba moderniser, to ba informatiser système to accès à la prison. Et il a bien fait de l'interpeller, d'interpeller. Il y a eu des évadés, non? Bato bakima na prison pour bakimi misusu bakimi sabango misusu ba voilà il y a eu beaucoup de gens on a vu na ba documentaire rebelle azara prisonnier kima kenda boye topé bon bref et même avec ce qui s'est passé récemment encore il y a lieu quand même de revoir les choses Négani Balobaraké, constitution, l'actuelle constitution est taillée sur mesure. Est-ce qu'à l'époque, en fait, Joseph Kabila avait combien de députés à l'époque? Non, c'est pas taillé sur mesure. La constitution a été faite en fonction des circonstances. Et si on dit qu'elle est taillée sur mesure, elle a été taillée pour le président Zanaba pouvoir et bien l'été. Ça, on peut le dire. Mais taillée sur mesure. Non, Joseph Kabila, c'est pas vrai. Il y a eu des changements depuis. Qui ont peut-être, ces changements étaient taillés pour eux. Parce que quand on a vu la suppression du deuxième tour, mais à l'origine, la constitution, c'était vraiment le fruit d'un consensus né de l'accord de Saint-City et l'accord global et inclusif de Pretoria. Moussala, il y a un formateur, il a été 30 jours. Et c'est lito, et c'est lito. Il y a un formateur, il y a un tonga, le biar, il continue. Moussala, tu n'as pas l'assemblée provinciale. La question, il faut la poser au président de la République. Est-ce qu'il a reconduit la mission de l'informateur? Sinon, alors la mission de l'informateur est terminée. D'ailleurs, il lui a déjà. Surtout qu'il y a déjà un premier ministre. Il lui a déjà rendu le rapport, et puis il y a un premier ministre. Donc voilà, c'est fini. Ce n'est même pas au président de la République qu'il faut poser la question, parce que s'il était question de renouveler. Ça aurait été officiel. Ça aurait été officiel. D'ailleurs, pour parler d'officiel, le président de la République avait dit, on a parlé tout à l'heure de Minembwe. On a dit que le gouverneur du Sud Kivu avait annulé cette disposition. Ça a été annulé. Ouais. Question au député Mouine Donzeng. Balongwa et pas Joseph Kabila pour l'élection et Salema Kate Nangongawe et Sengelaki. Lulu Awa Ndengi Bandekom Sui Defes Bazolo Bakena 2023 élection Kozalate. Bako continue. Kakana Félix Tshisekedi dit ceux qui ont élection. Un big glissement. Bon, enfin, je crois que c'est quand même trop tôt de parler de glissement. Zela. Je suis logique. Raisonnement en vrai. Nous sommes en 2021. Deux ans. Il reste deux ans avant au coma na date ya ba élection. Donc au funda lelo bato bazo kamba que bako glisser, c'est trop tôt parce que Motomorote a s'est prononcé dans ce sens-là. Cependant,
il y a des signes qui peuvent faire que les élections soient retardées. Wana et si Kawalande na rejoindre oui. Na koiko rejoindre auditeur na ngala za kututé na makabo bata na sili ça pardon oui, pardon c'était la même chose pardon, en 2014 pardon, que je, en 2014 on posait la question. C'est la 2014 la question a été posée en 2015 on est parti aux consultations oui. Banini on se posait la question comment est-ce qu'on va réunir autant d'argent. Parce qu'en 2023, il va falloir refaire un nouveau fichier. Mais c'est ça que j'allais dire, justement. Hein. Il y a beaucoup de préalables. C'est trop tôt par rapport au fait de parler de... Enfin, par rapport à la déclaration de Toto Makamouboué, Koloba, glissement, parce que Moutoumoro était à l'objet du glissement, l'élo, Naba Ebazo Kamba. Kasi, Naba Namakambo Ezo Salama. D'ailleurs, ancien membre à bureau à CENI, membre à UNC, Eric Ambagua, le Kisaki, Naposo et Leki, Aloba Kiango. Problème, ezali ba réforme et Sengeli qu'on se mettre en place. Et si kana n'a pas comme si kayo lobby, likambo ya révision affichée électorale, likambo ya mbongo, mobilisation à mbongo pour naba élection. Makambo na nyonso, le kola ba animateur à Sika Bazate na CENI, le kola Union Sacrée bazana na cahier de charges, na ba réforme, il faut qu'on en place. Bah, ma camboana n'y a se reçoit tant. Entre débat, adoption et tout ça, il y a des risques. Donc, si nous devons tenir compte de ces éléments-là, il y a des risques financière. Que. Oui, mais justement, donne financière, pesa importante, il y a des risques donc que l'élection est à la tête en 2023. Mais, voilà, à partir du moment où. À partir du moment où l'Obami Teboeto veut exprimer Teboe, c'est difficile d'accuser les gens. Mais maintenant, dans sa question, c'est celle de savoir est-ce que tout le monde pas Joseph Kabila parce que à cette élection en 2016, il y a Félix Tshisekedi qui peut faire l'élection en 2023, tout le monde est à l'époque de Joseph Kabila. Très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est à lui qu'il faut. Est-ce que le monde n'est pas Joseph Kabila? Tu vas voir que je vais répondre oui. Le bon changer question. Pourquoi ils ont quitté? Est-ce que Longoré n'est pas Joseph Kabila pour sa réélection en 2016? Mais c'est ce qu'ils ont. Il y a Loubaki. Loubaki, parce que c'est le troisième mandat de soupçon. Non, non. Justement, il y a Loubaki en français, il faut tous apprécier. Pourquoi le G7 était parti de la majorité? Parce qu'il n'était pas sûr que Joseph Kabila n'allait pas se présenter et qu'il n'allait pas tenir les élections dans les délais. Non, Longoaka, pour Bazaï, comme on a un signe. Oui, ben négo l'acte que Joseph Kabila a zolinga modifié constitution pour assa la troisième mandat. Et là, ça n'avait rien à voir avec les élections, parce que Balongwa en 2015, faut pas oublier ça. Donc sur le lobby, si par rapport au fait que Balongwa pour l'élection te balobi, comment la qui est, singi à se prononcer pour la élection, zomo na signe que alingi a continué. Moi, ils ont mis ma tête pour nani une question à la régie des eaux et puis tu les gelou et bandi karaté. Tu les gelou et bandi. Mais ils en ont lancé officiellement. C'est ce que le DG de l'OVD m'a dit. Alors, procédure administrative. Et ça, les gens ont été bandits de Moussa, le roi, ils ont eu financement. Mais ils en ont annoncé officiellement. Le DG de l'OVD, M. Victor Touba, qu'on salue. Je salue aussi Nana Lukunku. Voilà. Émission, le débat, vos messages avec Trésor Kiyombo. C'est du direct, vous réagissez directement à ce que nous venons de dire pendant l'émission, merci à vous. 080 770 70 ou dans nos différents groupes WhatsApp et sur YouTube. Voilà. Bonjour le débat, quelle est la tribu la plus populaire en RDC? Populaire ou peuplée ou de nombreuses? Populaire. Populaire, bon, pas populaire. Non, populaire. Je populaire, sais pas. Ça tient pas. Ou pépleux. Je sais pas. Non plus, je sais pas. Bonjour, quels sont les critères pour être Premier ministre? Qui possède les compétences pour interpréter la Constitution à ce sujet? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est fixé dans leur Constitution? Non. Pas critère pour du Premier ministre. À part être de la majorité et être désigné au sein de la majorité, il n'y en a pas. Discrétion, mon côté. C'est celui qui nomme qui a les critères. Bonjour, Bisso, Avenue Narui, Tobenga Rakaka, Nalinga, la Balabala. Voilà, c'est Bush Power depuis Massina. Avec ça, il m'a rabondé. Sur le bac, il m'a rabondé la balade. Tout ça, c'est ta faute. Bonjour à Sandy Yembe. Bonjour, je vous suis parfois, mais évitez les discussions en direct, ça fait perdre du temps et c'est peu. Bob Leader à Cape Town, il dit que c'est peu professionnel. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est ça. C'est ça, le débat. Pourquoi le débat? C'est ça, le débat.
Bonjour le débat. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas tirer cette histoire de nos pêcheurs au clair? Admettons que le nouveau Premier ministre soit du FCC. Tous les membres du FCC sont-ils des démons? Message WhatsApp. Bonjour, quelle est la suite du procès en appel de Vital Kamerhe après la séance d'hier? Ben, on attend. On attend que la Cour de cassation se prononce, c'est ça, non? Oui, apparemment c'est ça. Bonjour, le débat concernant le procès Kamerhe, justement, il faut vraiment demander au gouvernement s'ils sont partis vérifier que les commandes de Samir Jamal sont bien dans les ports cités. Faute de quoi, on aura tous compris qu'il s'agit d'un procès politique et que le président Tshisekedi est complice de la condamnation du président de l'UNC. Bonjour les débats, je voulais savoir où sont parties les rubriques Les Débats Plus, Dossier Santé, de Peggy Abbé, Noé, l'émission Top Press. C'est Gradine Simba depuis Mangafula. Je parle de Top Press, ça revient. Débat Plus. Le Débat Plus, Mikolo et Nathan est comme moi mon boulot. Ton préféré, tout ça, la mingi question direct. Et les gars, on a 8h, on a l'émission Top Matin, et les gars, on a journal à 10h. Et les grands journaux à 14h, et les grands journaux à 15h, et les grands journaux à 16h. Question directe au salaire. Mais au moment dossier santé. Dossier santé et Zozonga. Format émission santé et Zozonga. À quand le nouveau programme Bonjour Top Congo. Quand la hiérarchie aura validé. Bonjour Top Congo et l'émission Le Débat. C'est Michel Onachoto depuis Limité. Si vous dites que le Premier ministre. Le ministre près le Premier ministre peut avoir son bureau à la primature, alors le ministre près le Président de la République a-t-il son bureau, se situe où? Je ne sais pas, il est prêt, il est son collaborateur. Il y a la présidence, hein. Logique voudrait qu'il soit là. Logiquement, il est là. Je ne sais pas où est installé le ministre près le Président de la République. Sur les ans, il y a tout le palais de la nation, tout le immeuble intelligent, mais en tout cas, à partir du moment où il y a un lien entre président et gouvernement, il faut à peine peiner un président. Enfin, pourquoi jusqu'à présent M. Christian reçoit toujours les ministres pro-FCC et non pas les ministres cash dans l'émission Nini. On a répondu. Émission face à face spéciale. Tout d'abord, ce n'est pas M. Christian qui choisit les invités. L'équipe qui choisit les invités est composée de Thierry Kambundi comme rédacteur en chef et d'Eric Ambago. Bisso va Tozo proposer d'inviter un présentateur à face à face Christian Nusakweno. Et puis, Tozo Yambaba membre du gouvernement. Tozo Yambaba ta FCC Nabata Kachete. Ce qui peut se rendre compte, Banda, Tokomi il est un cinquième ministre. Ba émission Nyon, Tozo Sala, Tozo tout Naba ministre, on a bilan et Yaba secteur Nabango. Nous avons jusqu'ici reçu des ministres qui se sont montrés disposés à venir. Demain, ça sera Jolino Makelele, ça sera Eteni Longondo. Ce soir, il est de l'UDPS. Voilà, c'est le ministre de l'Agriculture, il est de l'UDPS. Donc, exact question, Proteto Bandai, Tozo Benga, ministre, Tozo proposé Bango Yango. C'est l'occasion pour moi de le rappeler parce qu'il y en a qui nous suivent. Eza émission, il y a polémique, il y a actualité, il y a ninité, Eza émission, il y a bilan. Oye, Banoma qui est au ministre à Boué depuis 15 mois, au Sali Nini. Nini Rotika na ministre, na ministère, voilà, c'est tout. Félicitations au nouveau marié, Trésor qui ont bossé gloire au bossé depuis le mois. Oh, tu vas là. Bonjour les débats. Bonjour les débats. Y a-t-il moyen d'inviter Néhémie Mulanya dans Face à Face pour avoir sa version des faits après l'éclatement du FCC? Monsieur le présentateur du Face à Face. Ça, c'était hier, le message était d'hier. Non, il est aujourd'hui. Là. Il a renvoyé aujourd'hui. Ouais. Hein. Combo et Premier ministre Yassika, Jules Nabudjala. Oh là là là. Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Jean-Michel Nakanisi, Jean-Michel Gonda. Salutations à lui. Les jeunes qui se réunissent jouissent oublient que. Y a-t-il moyen d'inviter Monsieur Naimi Mouya? Oui, il y a moyen, s'il accepte. Les jeunes qui se réjouissent oublient que la RDC a toujours été dirigée par eux. En 60, Joseph Kassavubu, président, avait 40 ans. Lumumba, premier ministre, avait 35 ans. Mobutu, chef de l'armée, 30 ans. En 65, Mobutu, président, avait 35 ans. En 2001, Joseph Kabila avait 29 ans. Pouvez-vous rappeler cela aux jeunes? Et Lumumba avait 36 ans. 36 ans. Il a dit 35 ici. Il a déjà dit 35. Ouais, il a dit 35. En fait, il paraît qu'il y a dans un moment un conflit, il y a un débat, il y a le président de la Ligue des jeunes depuis de 40 ans. Sigo Bassaï. Ils auront rencontré les premiers ministres. Bassaï, malon, moi. Parce que Sama Lukonde est remis premier ministre, il a 43 ans, d'abord président de la Ligue des jeunes, malon, moi. J'ai pas dit ça. Voilà. À chacun son étoile. La jeunesse s'arrête à quel âge? Ben, c'est ça le problème. Après 40 ans, est-ce qu'on est encore jeune?
Pourquoi pas? Ah papa, on est plus jeune pourquoi à 40 pas. Ans. Mais la jeunesse, c'est jusqu'au quand? Bon, on devient... On peut aller... Non, pas 40 ans. Puis, je 40, 45 ans, non. Dans l'esprit, la jeunesse, c'est dans l'esprit. Au football, à 40 ans, t'es quoi? T'es vétéran, non? Le football, c'est pas mais la politique. Mais oui, mais c'est hein. La même chose. 40 ans, t'es plus jeune. Arrête. Tu es jeune dans l'esprit, mais t'es pas jeune. Papa, pas jeune, Barobi Mankonin. Un jeune à 25 ans, il sera président quand il aura 50 ans? Comme aujourd'hui, on voit dans tout, Zela, tout le monde, il y a des gars qui ont 60 balais, Bazo Zela, Tato Zela, Moukola, Loba. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que le roi Assama Lokonde a comme premier ministre à 43 ans, bah, j'ai là, la Ligue des Jeunes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à 40 ans, on ne peut plus être dans une Ligue des Jeunes. Oui, mais maintenant, Osa Nini, en fait, moi, ce que je veux comprendre, Osa Ligue des Jeunes, Osa président de Ligue des Jeunes, par exemple. Allez, Osani, Olongwe Yomoro, mi kotisina. Juste une question. Balobi, bah, évêque, souk à 75. Pas ça, Rani. Bah, tu vois pas. Oh, tu atteins la limite d'âge. Zonga, non. Mais oui, mais c'est 75, c'est déjà l'âge de la retraite. C'est jeune. C'est la ligue des jeunes. Les jeunes, c'est le dynamisme des 20, des 25 ans. Je te dis. Soko Tali Baba, Genovic Mboa, na Thierry Kambundi, Kaka la Ligue des Jeunes, Atayomoko. L'image est bien trouvée. Atayomoko. Donc, Thierry Kambundi, président, il y a Batiri, Trésor Kiyombo. Atayomoko. C'est possible. Non? Alors, moi, je n'ai pas encore. Mais il y a 52 ans. Non, ça plus quand même, plus, ça peut plus. Mais il y a aussi certains jeunes qui sont présidents des partis politiques. Oui, ils peuvent. Oui, 25, 30 ans président de parti politique. Oui, président de la Ligue des Jeunes. Donc, Dixit, monsieur Lusakwe, non. Tous les jeunes, enfin, tous ceux qui font partie des Ligues des Jeunes des partis politiques et qui sont âgés de 40 ans et plus, nous vous prions, ils vous prient donc de démissionner de vos Ligues des Jeunes. Papa. Tant que je ne sais pas, il y a des soucis avant de me dire. Tu as la peu place. Mais c'est très discutable. Au moins, il est solo à jeunesse. Sur les bandits, des balles en haut, qui est jeune qui à l'origine, les jeunes, le mouvement des jeunes, c'était les mouvements autour des étudiants. C'est ça les mouvements. Oui, mais de quelle tranche d'âge? Papa, il est jusqu'à 30 ans, 35. Okay. Après, il faut partir. Après, on est devenu actif. On n'est plus dans les problèmes de la jeunesse. On ne peut plus être dans les problèmes de la jeunesse puisqu'on a d'autres problèmes. On a d'autres priorités après ça. C'est vrai que dans ma ligue des jeunes, Moussousou. Merci. Certains que je vois, là, Tibéré. Nous, jeunesse, au Taliéboué. Il a presque 50 ans. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Je vous retrouve ce soir face à face avec Joseph Antoine. Alors, je me trompe toujours de l'ordre. Mukuta Kasonga, le ministre de l'Agriculture, revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que c'est possible? On va faire le bilan. On continue le bilan du gouvernement Ilunkamba. Tout de suite, la grande édition du journal avec Roger Kalala. Alors, on gagne les jeunes. Lui, les jeunes. Non, lui, Yaza, beaucoup de gens. Nazo Bimasiko, au boss de Langana, rue Lumbashi. Pour avenir, c'est ça. C'est fini. C'est fini. Balabala Lumbashi. Vous avez un avis? À thèse, antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, Tinga Mutuna Zando, Asomelo Radio Mouke, Otiana Biro na eto nandak na yo moko yo kaka makambo oyo ezo tumisebiso. 11h30, Thierry Makambo échangé, Makambo échangé poto yo kibino ba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala kit, ozali peto, ozala kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule à Sika. 11h30 dans Linga les Ali. Ah, Thierry, changez à tamboulo yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où il y a une possibilité de faire. La révolution du sous-sol sur le sous-sol. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture.
La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture. La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Ce journal vous est proposé par EasyChat, le Telegram d'Equity Bank Congo. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des réactions après nomination de Sama Lukonde, nouveau Premier ministre. Du côté FCC, on pense que le Premier ministre nommé hier ne restera pas longtemps à la tête du gouvernement parce que issu, selon Ferdinand Kambéré du PPRD, d'une majorité parlementaire instable. Quelques réactions à suivre dans ce journal. Top Congo FM. Procès en appel de Vital Kamerhe, les audiences sont de nouveau suspendues. La Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel d'attendre qu'elle rende un jugement pour savoir quelle juridiction va juger la cause. Top Congo FM. C'était une bonne nouvelle pour les travailleurs de la Gécamines qui ont appris hier la nomination de leur directeur général comme premier ministre pour le président de l'intersyndicale du Grand Katanga, Ngoyi Kienge. Sama Lukonde servira mieux la Gécamines en étant à la tête du gouvernement. Top Congo FM. Plus de 200 pirogues des pêcheurs congolais confisquées depuis une année par la marine ougandaise ne sont toujours pas restituées et 12 autres pêcheurs ont été arrêtés hier lundi et torturés par la marine ougandaise. L'association des pêcheurs individuels du lac Édouard espère une intervention urgente des autorités congolaises. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. Des réactions après nomination du Premier ministre à l'idée de Martin Fayoulou. On estime que le choix porté sur Sama Lukonde confirme ce qu'avait dit son leader de l'Union Sacrée, que l'Union Sacrée était la seconde grossesse de la coalition FCC-CACH. Pour le secrétaire général de l'idée, Devos Kitoko, seul le plan de sortie de crise proposé par Martin Fayoulou apportera solution à la crise actuelle dans le pays. Devos Kitoko au téléphone de José Mandanza. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une seconde grossesse du couple FCC-CACH. Aujourd'hui, quelle est l'essence, la signification et le contenu de ce qu'on a dénommé hier l'Union Sacrée? L'Assemblée nationale est dirigée par un kabiliste FCC. Le Sénat le sera probablement aussi. Et le Premier ministre, nous le voyons bien, ancien kabiliste. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la considération ancienne du pouvoir FCC-CACH. Voilà pourquoi le commandant du peuple vous avait dit que les fusibles vont sauter, vont continuer à sauter, les pions ont été déplacés, vont continuer à être déplacés. Un nom a été trouvé, l'Union Sacrée, mais le système reste le même. Mais le prochain gouvernement qui sera mis en place ne sera pas FCC-CACH, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a une particularité, les rapprochements de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Si nos anciens alliés, Jean-Pierre Bemba Gombo et le président Moïse Katumbi, peuvent se regarder en face et se rappeler de ce que nous nous disions il y a quelques années en rapport avec le combat que nous devrions continuer à mener, je crois qu'ils vont tout simplement se souvenir qu'ils ont commis une très, très grosse erreur. Devos Kitoko au téléphone de José Mandanza. Autre réaction du côté FCC, on n'accorde pas longue vie au 25e successeur de Patrice Emery Lumumba. Pour Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, la majorité parlementaire sur laquelle s'assoit le nouveau chef du gouvernement est instable. Il soutient que c'est une majorité issue d'une tricherie. Ferdinand Kambéré. On a plongé le pays
mis dans ces régimes d'instabilité où on ne respecte ni la constitution, on ne respecte ni le règlement intérieur, on ne respecte même pas les accords de paix qu'on signe pour former une majorité. Ça veut dire que le Congo va connaître maintenant la période de gouvernement éphémère. Parce qu'il est difficile dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire comme le nôtre, où la proportionnelle oblige tous les partenaires politiques à ce qu'ils se mettent ensemble pour avoir une majorité, qu'on dise qu'on va diriger sans accord politique de paix. Le pays va passer une période très difficile, une période d'institutions instables, où cette majorité fabriquée, sinon volée, va rester une majorité mouvante selon le contexte, selon les circonstances qui se présentent. Et ça sera malheureusement au grand préjudice de la population. Donc vous ne donnez pas longue vie au nouveau chef du gouvernement récemment nommé? Non, ça ne dépend pas de nous. La longue vie là, ou la durabilité, ou la stabilité des institutions, c'est lorsqu'on respecte la constitution, on respecte les lois de la République, on respecte les accords entre partenaires pour assurer cette stabilité. Ferdinand Kambéré du PPRD au téléphone de José Mandanda Sam Lukonde. Le nouveau Premier ministre vient du Parti Avenir du Congo de Dany Banza et il y a ceux qui s'interrogent sur l'appartenance politique du nouveau chef du gouvernement. Le secrétaire général de l'UDPS précise, lui, que le Premier ministre relève, la nomination du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Augustin Kabouya renseigne que le Premier ministre Sam Lukonde n'est pas membre de CASH, le cap pour le changement, on l'écoute. C'est à peine que le Premier ministre venait d'être nommé. Il n'a même pas encore fait la remise et reprise. Il n'a même pas encore pris possession de ses fonctions. Mais je vois le débat dans tous les sens. Quelqu'un qui vient à peine d'être nommé, s'il faut le juger, on va le juger par rapport à quel bilan. Moi, je le reconnais comme ancien ministre des Sports. Et tout le monde sait, quand il était à la tête de ce ministère, qu'il avait apporté comme un plus. C'est ce que moi, je peux vous dire. Je n'ai pas de commandes à faire sur les choix du chef de l'État. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Je vous avais dit qu'il ne pouvait pas se laisser influencer par qui. Il y a eu des agitations dans tous les sens avant qu'il nomme l'actuel Premier ministre. Hier, vous avez accusé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de bloquer les actions du chef de l'État. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'avoir un chef du gouvernement qui soit de la même famille politique que le président de la République? Mais quand il dit famille politique, la famille politique du chef de l'État est connue, c'est l'UDPS. Sam n'a jamais été membre de l'UDPS. Il est de cash au moins. Qu'est-ce que vous... Non. Soyons, est-ce que vous avez vu l'acte d'adhésion au cash de Sam Lukonde? Il était dans quelle structure au sein du cash? C'est faux, archi faux. Il n'est pas dit que tout proche du chef de l'État ou bien allié du chef de l'État était d'office membre du cash. Augustin Kabouya au téléphone de José Mandanda. On parle toujours de la nomination de Jean-Michel Sam Lukonde, nouveau Premier ministre. Le ministre honoraire des Congolais de l'étranger estime qu'un bon entourage aux côtés de ce nouveau locataire de la primature peut l'aider à répondre aux besoins de la RDC. Emmanuel Ilunga Ngoyi appelle tous les Congolais à soutenir cette vision du président de la République qui veut faire ramener la paix et remonter l'économie, et réorganiser l'économie dans le pays. Sam Lukonde, nommé hier Premier ministre, était à la tête de la grande entreprise minière du pays, la Gécamines. Il est parti en plein travail de réorganisation de ses services, mais sa désignation par le chef de l'État pour diriger le gouvernement a été une bonne nouvelle pour, pour les agents et cadres de la Générale des Carrières et des Mines. Ils espèrent que Sam Lukonde, qui a trouvé l'entreprise à genoux, servira mieux la Gécamines en étant à la tête du gouvernement. Écoutez le président de l'intersyndicale du Grand Katanga, Ngoyi Kienge. Nous, de l'intersyndicale, nous avons commencé à travailler avec son père, qui était un grand cadre de la Gécamines, après envoyé à la SNCC comme PDG, et après à la Gécamines Développement. C'est quelqu'un qui a laissé des empreintes vraiment appréciables. Et nous croyons qu'avec la nomination du fils Kienge, les choses iront bien parce que déjà, dès son arrivée à la Gécamines, il a commencé à restructurer et les services de la Gécamines. Les travailleurs sont contents de la façon dont il travaillait depuis qu'il était à la tête de la Gécamines. Si aujourd'hui on le place comme Premier ministre,
Pour nous, nous disons que c'est une chance même pour la Jégamine, parce qu'il connaît déjà les difficultés que traverse la société, la grande société Jégamine, c'est qu'il va aider cette entreprise. Ah, nous sommes très contents. Aujourd'hui, il laisse cette entreprise en bonne santé? L'entreprise qu'il a trouvée à genoux, dire qu'il l'a laissée en bonne santé, c'est trop dire. C'est maintenant qu'il a commencé à réorganiser les services pour un bon décollage. Pour nous, c'est un espoir, nous espérons bien. Le président de l'intersyndicale du Grand Katanga, Ngoyi Kyenge. Et puis cette réaction du parti politique Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, ACDD, après nomination du Premier ministre, le parti salue la nomination de Sama Lukonde. Ce parti politique cher au professeur Lutumba. Lutumba estime que ce choix répond aux aspirations de la population. Peter Chimanga est le communicateur de l'ACDD. L'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, parti politique allié à l'IDP Tshisekedi, tient à remercier très vivement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination du Premier ministre, fruit de l'union sacrée de la nation, qui constitue la réponse à la demande nationale du peuple congolais pour rencontrer ses attentes. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, nous tenons à vous adresser nos sincères et chaleureuses félicitations. En tant que bras séculier du chef de l'État pour la matérialisation effective du slogan « Les peuples d'abord », nous vous suggérons à bien vouloir mettre le peuple congolais au centre de votre action gouvernementale. Que la bonne moralité, l'intégrité et la non-reconduction des mêmes caciques fossoyeurs des caisses de l'État soient les critères majeurs devant caractériser les membres de votre gouvernement. La CDD, au travers de son président national, Monsieur le professeur Prince Lutumba Lutumba, reste disposé à vous accompagner dans vos lourdes tâches et vous aider à accomplir votre mission pour le bien du peuple congolais. C'est possible d'asseoir les sociales et redonner de la valeur à tous les Congolais. C'est possible de faire taire les armes, faire régner la paix et assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Votre nomination à la tête du gouvernement donne de l'espoir. Que puisse Dieu vous assister et vous guider dans vos responsabilités d'État. Et le prochain gouvernement doit tout faire pour éradiquer l'insécurité dans les territoires de Béni. C'est le message d'Albert Baliesima au nouveau Premier ministre. L'élu de Béni précise que l'Union sacrée a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population de Béni. Et elle attend du premier gouvernement de l'Union sacrée, qui sera dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, de passer à des actions concrètes pour rétablir la sécurité. Il indique que les élus du Grand Nord et du Nord Kivu vont accompagner le nouveau gouvernement. Édouard Baliesima au micro de Mamichela. Je dois rappeler que si nous, les députés de l'espace du Grand Nord, de la province du Nord Kivu, avons totalement adhéré à l'Union sacrée, vision chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est principalement parce que nos populations sont fatiguées d'être égorgées comme des chèvres dans la boucherie. Je suis content d'entendre le nouveau Premier ministre, dans sa toute première interview, a affirmé de vive voix que la priorité des priorités de son gouvernement sera la sécurité à l'est du Congo. Je me permets donc de rassurer la population de Beni, de l'Ituri et de toute la République démocratique du Congo en général que l'espoir pour la fin de massacres à Beni et ailleurs est permis, car c'est le premier indicateur sur lequel la population congolaise jugera le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la vision, l'union sacrée de la nation. La réaction également du Congrès national africain pour le réveil du Congo à la suite de la nomination du Premier ministre. Ce parti politique dirigé par Aimé Pascal Mongo rappelle aux nouveaux locataires de la primature la lourde responsabilité qu'il porte désormais sur lui. Le Sénarc se dit également prêt à accompagner Jean-Michel Sama Lukonde à réussir les défis importants des réformes qui doivent être opérées dans le pays. Écoutez Alex Makabou, le secrétaire général du Sénarc, au micro de Myriam Iragui. Le Sénarc rappelle à son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge que les yeux de toute la population congolaise sont braqués sur lui afin de mener à bien des réformes exprimées par le chef de l'État lors de son discours prononcé à l'issue des consultations présidentielles organisées à Kinshasa. Dans ces défis des titans,
le Congrès national africain pour le réveil du Congo, CENARC en sigle, et son président national, Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui sont intégralement partie prenante à la vision de l'Union sacrée pour la nation, prônée par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se tiennent prêts à l'accompagner. Des propos recueillis par Myriam Iraghi. Et la taille du futur gouvernement devra être réduite de moitié à celui sortant et que ce dernier soit accompagné en majorité des technocrates pour la bonne gouvernance du pays. Ce sont des propositions faites par l'ASBEL, groupe de soutien sans recul, FACI, présidé par Placide Kaunga. Au cours d'une réunion politique, ces combattants de l'UDPS ont formulé quelques recommandations au président de la République. Extrait de la déclaration, lu par Célestin Mangenda, porte-parole de cette ASBEL, des propos recueillis par Béro Matanda. Nous proposons au chef de l'État que le prochain gouvernement se focalise sur la lutte contre le détournement des deniers publics, la corruption et la fermeture des ports illégaux, enfin de réaliser de meilleures recettes au profit du trésor public pouvant permettre de répondre au social de la population en assurant la gratuité de l'enseignement et des soins de santé, l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, des militaires et des policiers, la réhabilitation et la construction de routes de dessertes agricoles, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que l'amélioration des transports en commun. En vue d'avoir les élections libres et apaisées en 2023, le groupe sollicite avec insistance la révision de la loi électorale en instaurant l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs au suffrage direct. Le groupe de soutien sans recul Fati ASBEL se permet de rappeler au chef de l'État, en sa qualité de garant des institutions de la République, que le mandat des bourgmestres, leurs adjoints, des administrateurs des territoires et des chefs de secteur est largement dépassé. Il y a lieu de désigner les intérimaires qui devront travailler dans la vision du chef de l'État, initiateur de l'Union sacrée pour la nation. Voilà des propos recueillis par Béro Matanda. Sortir la RDC de la pauvreté demeure une utopie, c'est ce qu'estime le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito. Chiffre à l'appui, le leader du parti Nouvel Élan a démontré au cours d'un séminaire idéologique organisé à l'intention des membres de son parti qu'il est impossible d'envisager le bien-être des Congolais avec le budget 2021 voté par l'Assemblée nationale et approuvé par le chef de l'État, Gino Reema. Avec 3,5 milliards de dollars américains en ressources propres, dont 70%, soit 2,5 milliards de dollars, est alloué aux rémunérations, les 30% restants, soit 1 milliard de dollars américains, ne sauraient suffire pour la sécurité de l'Est du pays, assurer le fonctionnement des institutions de l'État et des provinces et des investissements pour créer des emplois, explique Adolphe Mouzito. Dans son intervention devant les cadres de son parti, l'autorité morale de Nouvel Élan et ancien inspecteur de finances fait un parallélisme entre la RDC et l'Angola. Il révèle qu'avec un PIB de 120 milliards de dollars américains, l'Angola applique une pression fiscale de 30% et a un budget de 36 milliards de dollars américains. Avec notre PIB de 52 milliards de dollars américains, poursuit cet ancien inspecteur de finances, en suivant l'exemple de l'Angola, si nous exerçons une pression fiscale de 30%, nous ramènerons notre budget à 15 milliards de dollars américains, ce qui répondra largement aux défis majeurs de notre pays. Cela aura comme effet, par exemple, des tripler la masse salariale, de faire autant pour le fonctionnement des provinces et l'investissement avec à la clé la création d'emplois, la construction de routes et être à nouveau éligible à un nouvel endettement sur le marché financier international, dit-il à ses cadres. Le Premier ministre honoraire Mouzito rappelle que la RDC demeure un pays sous-pauvre, étant donné qu'il est en dessous du seuil de la pauvreté. Pour quitter cet état d'être, suggère Adolphe Mouzito, il faut atteindre un PIB de 100 milliards de dollars américains, ce qui permettra aux Congolais de vivre moyennant 2,5 ou 3 dollars par jour. En ce moment, on deviendra pauvre, renchérit-il, avant de mettre des doutes que le président Tshisekedi ne pourra doubler le budget de l'État en 2021.
C'était hier le 39e anniversaire de l'UDPS, c'était le 15 février. Et l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Omer Kamba, estime que certains paris ont été gagnés selon les objectifs fixés par les pères fondateurs de ce parti. C'est le cas de la liberté d'expression, la démystification de plusieurs formes de dictature. Quant au reste, Omer Kamba s'accorde avec Jean-Marc Kabunda Kabund, président intérimaire de l'UDPS, sur le fait que tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant cette lutte ont intérêt de ne vivre que l'unité du parti. Omer Kamba, au micro de José Ipachi. Le projet de société de l'UDPS, ce n'était pas nécessairement le pouvoir pour le pouvoir. Non, non, non. C'était corriger d'abord la manière de gérer ce pays, afin que le peuple puisse trouver son compte. L'union pour la démocratie et le progrès social, j'insiste, le progrès social. Donc la démocratie, elle n'est plus lorsqu'elle ne réalise pas le progrès social. C'est pour ça que j'ai dit que l'objectif, en fait, on a neutralisé certaines dictatures. Les gens n'ont plus peur, le peuple se prend en charge. Nous avons une presse congolaise admirable partout, hein, parce qu'ils sont capables de toiser qui que ce soit, depuis le chef de l'État jusqu'au plus bas, le citoyen lambda. Et ça, c'est un acquis de notre combat. Liberté d'expression, la dignité sur tous les plans. Maman maraîchère ou vendeuse sur le marché, parler politique, critiquer ce qui marche, ce qui ne marche pas, ça fait partie de ce que nous appelons victoire. Mais au prix de quoi? Du sang, de sueur, des morts. Voilà pourquoi nous sommes tous d'accord avec, je viens de dire, l'honorable Jean-Marc Kabound, le numéro 1 actuel de l'exécutif de l'UDPS, de sorte qu'on retrouve d'abord la solidarité au sein de ce parti. Que toutes les générations, toutes les catégories de ceux qui se sont battus se retrouvent avec des rôles bien précis et qu'ils puissent alors ensemble contribuer à réaliser la vision du chef de l'État qui est résumée dans l'union sacrée et le peuple d'abord. On parle toujours de l'UDPS. Le parti reste déterminé à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est l'ancien ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, qui l'a dit hier lors d'une matinée politique organisée à Goma. Pour lui, le président Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'accompagnent dans le cadre de l'Union sacrée ne laisseront plus jamais de la place à ceux qui freinent l'émergence du pays. Rubens Mikindo, au micro de Jonathan Kombi. La lutte pour laquelle nous nous sommes battus, celle de l'avènement de la démocratie et aussi d'un état des droits, est en train de se concrétiser, bien qu'il y a des ennemis du peuple qui cherchent par tous les moyens comment ils peuvent bloquer l'action du chef de l'État. Mais je crois qu'avec la volonté qui anime les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les membres de l'UDPS, aujourd'hui, nous sommes résolument engagés pour que nous puissions tracer les voies qui vont amener ce peuple congolais vers non seulement la démocratie, mais aussi vers le progrès social. Vous parlez d'un blocage. Il se situe à quel niveau? Je vous donne l'exemple, par exemple, parce que vous parlez de blocage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas libérer la somme qui est déjà bien, tout est déjà calculé, tout a été fait pour les dégazages du golfe de Kabuno. Qu'est-ce qui bloque ça? C'est-à-dire c'est la mauvaise foi, tout simplement. C'était quoi le message aujourd'hui aux militants? Le message aujourd'hui, c'est de demander à tous les membres d'être soudés et surtout d'avoir la conviction, parce qu'on fait la politique avec la conviction. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons dit qu'un jour l'UDPS va diriger. Nous sommes au pouvoir et nous sommes fiers d'être là. Et nous sommes là pour conserver ces pouvoirs. Ça, c'est aussi le message. Nous sommes là pour conserver ces pouvoirs le plus longtemps possible, pas avant 100 ans que nous allons quitter ce pouvoir. Des propos recueillis par Jonathan Kombi, notre permanent à Goma. Le comité d'action pour un Palou unique et uni et la famille biologique d'Antoine Gizenga dénonce la tentative de rapprochement d'intérêts politiques du ministre Didier Manzenga avec l'ancienne épouse de Antoine Gizenga. Il s'agit de Anne Bouba Gizenga. À quelques jours de la célébration du deuxième anniversaire du décès d'Antoine Gizenga, la fille du défunt, du leader de Palou et Michel Lokola indique que Didier Manzenga et Anne Bouba ne partagent pas les valeurs de l'unité du parti lumumbiste unifié, tout en confirmant pour le 24 février prochain la tenue des cérémonies commémoratives de la disparition de cet ancien premier ministre dans la commune de la Sélé sur l'avenue Bouma. Dorothée Gizenga appelle les militantes et militants à la vigilance. Procès en appel de Vital Kamerhe. Les audiences sont de nouveau suspendues. La Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel d'attendre qu'elle rende un jugement pour savoir quelle juridiction va juger la cause. À l'Union pour la Nation du Congo, UNC, parti de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, condamné à 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité au premier degré, on dénonce le fait que les journalistes ou la presse n'a pas été associés à l'audience
France d'hier lundi, alors que selon Bertin Mubonzi, l'UNC attend un procès équitable et transparent afin que la vérité éclate. Le député national Bertin Mubonzi au téléphone de Barik Bouema. C'est dommage que la presse n'a pas été associée au procès d'hier, et ça nous dénonçons et nous déplorons, parce que nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'on cache. Je crois que c'est un procès qui intéresse la population, tant nationale qu'internationale, et les gens ont commencé à suivre depuis le début, et je pense que c'est de leur droit de continuer à avoir toutes les informations autour de ce procès-là. Mais si vous aviez bien suivi, la surséance à l'instruction de la cause, c'était dû au fait de la production d'un arrêt de données actes de la Cour de cassation qui a été produite par l'une des parties prévenues, autre que la partie de l'honorable Vital Kamerhe. Comme nous sommes tous liés, maintenant nous avons obtenu la surséance et nous attendons. Vous dites avoir obtenu la surséance, vous espérez quoi? Il faudrait que très rapidement l'on puisse... que la Cour de cassation se prononce et que le procès puisse continuer à suivre le cours normal. Ce que nous attendons, c'est un procès équitable et que la vérité puisse triompher. Bertin Mubonzi de l'UNC, des propos recueillis par Barik Bouema. Plus de 200 pirogues des pêcheurs congolais confisquées par la marine ougandaise depuis l'année dernière ne sont toujours pas restituées. Une situation qui perturbe les activités des pêcheurs congolais. Il y a de moins en moins des pêcheurs actifs sur le lac Édouard. Et hier, lundi, 12 autres pêcheurs ont été arrêtés et puis torturés par la marine ougandaise. Leurs trois moteurs hors bord confisqués. Le secrétaire général de l'association des pêcheurs individuels du lac Édouard plaide pour une intervention urgente des autorités congolaises. Les pêcheurs exigent la délimitation des eaux congolaises. Ils sont chaque fois accusés de traverser illégalement la frontière ougandaise. Josué Kambasu au téléphone de Peggy Wabeno. Sur le lac Édouard, il n'y a pas vraiment une limite claire. Donc, la limite reste imaginaire comme l'Équateur. Alors, nos pêcheurs ont tendance d'aller pêcher dans la zone transfrontalière, à craignant aussi les rebelles maïmaïs qui tracassent les pêcheurs dans les eaux congolaises, et surtout aussi avec la surpêche. Alors, c'est dans la zone transfrontalière où il y a un peu de sécurité par rapport à certaines zones au niveau du lac Édouard. Maintenant, comme il n'y a pas de limite, la marine ougandaise est permanente sur les eaux. Hier encore, ils ont tabassé et torturé nos pêcheurs, 12 pêcheurs de 4 pirogues, puisque chaque pirogue a un équipage de 3 personnes. Ils ont emporté 4 moteurs hors bord. Donc, nous lançons un cri d'alarme au niveau de notre gouvernement pour tatouer sur le lac Édouard et voir comment ils peuvent se contacter avec leurs homologues ougandais afin de statuer une fois pour toutes les problèmes du lac Édouard pour que nous pêcheurs sur le lac, nous soyons aussi libres. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 200 moteurs maintenant saisis par les ougandais avec au moins 190 pirogues. Donc c'est trop. Toujours au nord Kivu, deux villages dans le secteur de Rouenzori, territoire de Beni, vidés de ses habitants. Selon l'administrateur du territoire de Beni, on parle d'une famille qui serait même portée disparue. Mais des présumés ADEF ont tué environ 10 personnes. L'organisation Droits humains, Bonne gouvernance et développement estime que le besoin d'associer les pays amis pour mettre fin au phénomène ADEF s'impose. Écoutez Angelus Kavutiroaki au micro d'Erickson Louembwe. Oui, c'était la nuit où on a appris qu'il y aurait attaque au niveau de Kalembo et Libokora. On parle des dégâts matériels et humains. Il y a des cas d'incendie des maisons, des populations. Il y a aussi même enlèvement de certaines personnes qui sont portées disparues. Il y aurait plus de 10 personnes qui auraient été tuées par ces assaillants. Il fallait que les autorités puissent prendre des dispositifs adéquats. Tellement ça, mais je pense qu'on peut avoir on peut aller au-delà des 10 morts puisque les fouilles continuent. Nous croyons que nous sommes écoutés. Il y a le gouvernement qui est en train de faire ce qu'il peut faire, mais les moyens sont encore limités. Si on peut recourir à des pays amis, renforcer les dispositifs militaires et que le gouvernement qui vient d'entrer en action, qu'il puisse aussi se mobiliser pour mettre fin à la situation, puisque les ADF ne sont pas forts que les FARDC. Si on pouvait les poursuivre jusqu'au bout, c'est là qu'on pourrait aboutir à un résultat
adéquate. Mais ils viennent, ils tuent la population. Je pense que la meilleure des choses était de poursuivre ses ennemis jusqu'au dernier retranchement, au lieu d'utiliser le verbe disperser l'ennemi. Autre situation dans la province du Kasaï, on parle de l'insécurité à Mbujimayi. Un groupe de bandits à main armée a été présenté ce matin par la police. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, cette situation est consécutive à une chasse engagée contre ces malfaiteurs suite à l'insécurité qui bat le record dans cette région du pays. Lazare Chipinda rapporte que le point de contrôle de la PNC, la police nationale congolaise, ont été placés dans les quartiers qualifiés à haut risque afin de faire face à ce regain d'insécurité. Détail avec notre permanent Nicolas Kazadi. Les cas de visites domiciliaires devenus récurrents dans la région, il fallait une réponse rapide pour préserver la quiétude au sein de la communauté. C'est dans cette optique que la police locale traque depuis bientôt une semaine le malfrat. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et présentés ce lundi, indique Lazare Chipinda, ministre provincial de l'Intérieur. La police a présenté à la population un certain nombre de malfrats, de ces criminels qui dérangent la population. Donc les efforts sont orientés dans ce sens-là pour débusquer autant que possible ce qui dérange la population. C'est sur ce plan de vol que nous avons mis sur la table. Des points de contrôle devront être installés dans les quartiers jugés à haut risque et l'opération a déjà débuté, poursuit-il. Évidemment, nous sommes dans le processus d'établir la police de proximité. À un des endroits que nous avons ciblé, il y a le siège de la police de proximité qui est en train de se construire ici au quartier Cancelé. En attendant qu'on en arrive là, il faut des postes comme ça d'observation. Je crois qu'il faudra que nous puissions alimenter cela avec la présence de policiers. Il y en a comme ça deux et qui doivent absolument être ressourcés avec la police. Plus de 3 ménages ont été victimes des banditismes armés la semaine dernière et certains d'entre eux avaient perdu plusieurs biens des valeurs. Mbujimayi, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. On reste dans la province du Kasaï oriental, des décès et des malades parmi les détenus à la prison centrale. Les sources proches de cette maison carcérale rapportent qu'environ 3 détenus ont perdu la vie la semaine dernière et plusieurs autres sont gravement malades. Une information rejetée par le ministre provincial de la Justice, Maître Raphaël Kalala, rapporte plutôt qu'un détenu a succombé de sa maladie et d'autres, par contre, sont actuellement pris en charge par le service de santé de la prison de Mbujimayi. On écoute Maître Raphaël Kalala au téléphone de notre permanent Nicolas Kazadi. Normal, là où il y a des gens qui aient avec la chaleur qu'il a fait, c'est normal, même ceux qui sont dehors. Et donc, à plus forte raison, ceux qui sont à un endroit où il n'y a pas de va-et-vient, c'est normal qu'il y ait eu des cas comme ça. Il y a eu un cas de décès côté militaire, hein. Donc d'ailleurs c'est sa famille l'avait récupéré. Oui, les guérisons, il y en a eu, mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas avoir la guérison au même moment. Et donc il y en a qui peuvent avoir une guérison rapide et d'autres la guérison est lente. Chacun a son tableau, n'est-ce pas, donc de pronostic, chacun a son tableau. Et une évolution selon, n'est-ce pas, les produits qui sont administrés par le corps médical. Plus de 5 millions de masques en tissu lavables commandés par le gouvernement congolais, jamais récupérés auprès des fournisseurs. Le collectif des producteurs de masques se plaint de l'attitude du gouvernement et lui demande d'honorer ses factures évaluées à plus de 3 millions de dollars américains. Le collectif espère un paiement urgent aux fins de s'acquitter de ces nombreuses contraintes qui l'assaillent du fait de cette activité. Il a fait savoir à travers un mémorandum à la bonne intention du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo. Détail, Peggy Wabeno. Le collectif affirme avoir répondu promptement à l'appel à la solidarité nationale et à la mobilisation des actions citoyennes lancées par le chef de l'État à la suite de la pandémie de la COVID-19. Chaque entité a procédé à la signature des contrats entre les mois de septembre et octobre 2020 après avoir signé un protocole d'accord collectif de collaboration avec le ministère de la Santé. Jean-Bédel Iyoka, coordonnateur de l'ASM
Bel le Citoyen, membre du collectif des producteurs des masques. 15 organismes avaient été recrutés aux fins de la production de 15 millions de masques. Sur les 15, 9 au moins, aujourd'hui, avons réussi à produire jusqu'à 5,5 millions de masques. Mais depuis la signature des contrats mois de octobre-novembre, jusqu'aujourd'hui, alors que les bons de commande avaient été formellement livrés par le gouvernement au mois de décembre, nous n'avons toujours pas obtenu ni paiement. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le gouvernement n'a même pas daigné répondre à nos nombreux appels au dépôt des stocks déjà produits, qui aujourd'hui s'élèvent à une moyenne de 5 millions. Nous avons des paiements donc en souffrance et aujourd'hui, connaissant des sérieux problèmes des trésoreries, sans compter des graves difficultés d'ordre social, parce que nous avons du personnel, une moyenne de 1200 couturiers et ouvriers que nous avons recrutés, mais que nous ne savons toujours pas payer. Voici, il y a plus de 4 mois. Face à ce blocage, il y a un problème qui se pose. Il y a une sérieuse crise sociale de la part de nombreux employés mobilisés pour la production de ces masques. Marie-Antoinette Muleka Bondo, coordinatrice de la cellule des masques à l'ESAM Kinshasa, se dit inquiète car elle a utilisé la main-d'œuvre estudiantine. Les étudiants sont venus travailler, c'est pour survenir à leurs besoins. Il y a les finalistes qui devaient défendre, qui devaient payer, mais on n'a rien fait. Ces étudiants-là, à un certain moment, n'auront plus la patience et ils peuvent descendre sur la rue. Et ma peur est qu'à la fin, qu'on puisse maintenant parler, voilà, c'est l'académique. Je suis en train de demander seulement si on peut honorer nos factures pour que nous, à notre tour aussi, nous maîtrisons les étudiants. J'ai utilisé 240 étudiants à l'ISAM Kinshasa, en dehors des enseignants. Les enseignants, c'est une cinquantaine. Le collectif en appelle ainsi au sens d'humanité et de citoyenneté du gouvernement qui, il espère profondément, ne saurait accepter de causer gratuitement du tort à des citoyens à faible revenu. C'est officiel, la perception des droits, taxes, impôts et autres redevances dans la province du Nord Kivu se fera par des moyens modernes, des nouvelles technologies. Le gouverneur Karlin Zanzu Kasivita a procédé hier lundi à Goma au lancement de Codinet, cette solution numérique qui sera utilisée pour cette fin. C'était en présence du conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, du représentant de celui qui se charge de l'économie, des finances, mais aussi d'autres personnalités d'État, Jonathan Kombi. C'est dans le cadre de la lutte contre le coulage des recettes que la province du Nord Kivu a décidé de migrer de la perception manuelle vers la perception électronique de ses droits, taxes, impôts et autres redevances. En donnant le go de cette nouvelle forme de gouvernance électronique, le gouverneur Karlin Zanzu Kasivita a souligné que cela va permettre sa juridiction à maximiser les recettes et ainsi répondre aux innombrables besoins de ses administrés. Les rétrocessions du pouvoir central étant quasi absentes, la province du Nord Kivu a fonctionné, dira l'année 2020 seulement avec plus ou moins 15% de son budget. Je reste convaincu qu'avec la modernisation de l'outil de gestion des recettes publiques provinciales, le travail de mobilisation, d'encadrement et de maximisation des recettes assignées au gouvernement provincial est rendu plus efficace. Le conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique a salué l'avènement de la gouvernance électronique au Nord Kivu, Dominique Migisha. La plateforme Codinet, qui est désormais utilisée par les services d'assiettes de la province du Nord Kivu et dont nous célébrons aujourd'hui le lancement officiel, est la mise en œuvre au niveau provincial du plan national du numérique qui traduit la vision sectorielle du chef de l'État. Rappelons que Codinet est une solution inventée par l'ingénieur Patrick Daoud Difaraja, un Congolais expert en système d'information de gestion, spécialiste en gouvernance électronique et certifié comme inventeur et innovateur congolais par la Masterclass édition 2019. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Recrutement de la main-d'œuvre importée par des organisations non gouvernementales ou entreprises à Beni au Nord Kivu. Cette situation favorise le chômage des natifs de ce coin du pays. C'est le député national Mangwengwe Kasereka qui appelle les autorités dans la province à s'impliquer pour mettre fin à cette situation afin de soulager cette population victime de plusieurs atrocités. On l'écoute au micro de Rémi Mulingati. À cause de la persistance de massacres, la région de Beni a perdu beaucoup de ses investisseurs privés. Même les investisseurs étrangers sont tous partis. Une situation à la base du taux très élevé de chômage. C'est ainsi que nous demandons aux responsables des entreprises qui ont
financement de projets financés soit par le pouvoir public, soit par les ONG, d'utiliser dans les cadres de la solidarité la main-d'œuvre locale. Nous avons toutes les compétences sur place à Beni, que les autorités provinciales et celles locales nous aident à convaincre les concernés. Mais depuis plus de 7 ans, Beni est sévi par une situation catastrophique à cause de l'insécurité qui serait à la base de tout cela. En tant qu'élu du coin, avez-vous au moins l'espoir que la situation va s'améliorer avec tout ce qui se passe au pays? En fait, nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement, celui de l'Union sacrée tant attendue par tout le monde, l'Union sacrée pour la nation, la question du massacre de Beni sera parmi les premiers défis à relever. Vous savez, c'est vrai, notre population de Beni a suffisamment pleuré le sien. Voilà des propos recueillis par Rémi Muningati. La montée démographique dans les camps Mobutu et Bumba dans la commune de Lemba nécessite l'ouverture d'un bureau secondaire de l'état civil. Vœu exprimé par le bourgmestre de Lemba, c'était à l'ouverture de l'atelier organisé par le ministère provincial de l'Intérieur sur l'évaluation de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Détail Cyril Milandou. À l'ouverture de cet atelier, le bourgmestre de Lemba, Jean Saka, a plaidé pour l'ouverture du bureau secondaire au camp Mobutu. Nous voudrions que vous puissiez attirer une attention particulière pour deux quartiers que nous avons à Lemba, que nous considérons comme quartiers flottants, les camps Mobutu et les camps Bumba. Nous ouvrons un deuxième bureau secondaire au niveau du camp Mobutu. Pour les chefs de division du ministère de l'Intérieur, bien-aimé Mafouanikissa, cet atelier vise entre autres à dégager les forces, les faiblesses et les recommandations du travail déjà réalisé. Évaluer les résultats des activités réalisées l'année dans les domaines de l'état civil et de la population afin de dégager les forces, les faiblesses et les recommandations. Enfin, les représentants du ministre provincial de l'Intérieur a conclu que les services de l'état civil est un outil qui permet à l'État de disposer de données pour des fins sociales. Le service de l'État civil est un instrument de protection des droits fondamentaux des personnes par l'enregistrement des faits survenus, c'est-à-dire il y a les naissances, mariages, décès et autres. C'est aussi un outil permettant à l'État de disposer des données pour des fins sociales. Certains participants ont souhaité la poursuite des campagnes de sensibilisation de la population. Cyril Milandou, elle vient en aide à ceux qui ont du mal à bien voir, ceux qui ont quelques problèmes de vue. La députée nationale Christelle Vuanga a remis gratuitement dans le cadre d'une campagne qu'elle a initiée des lunettes médicales à la population des habitants de Kinshasa qui ont adressé quelques mots de remerciement à cette députée élue de la Funa, Gino Rehema. Ils sont plus de 2000, les Kinois qui ont envahi le bureau de la députée nationale Christelle Vuanga. Ils ont répondu à la campagne de distribution gratuite de lunettes médicales organisée par cet élu de la FUNA. Après l'obtention des paires de lunettes, chaque bénéficiaire n'a pas manqué d'adresser un mot de bénédiction à l'endroit de la députée Christelle Vuanga. Pierre-Victor Mpoyi est le 55e bénéficiaire. Que Dieu la bénisse, je lui souhaite une longue vie politique et physique. Donc vous avez demandé de l'argent aussi pour ça? Zéro franc. La pharmacienne Georgette Biebier a aussi encouragé ses gestes généreux. J'espère que dans l'avenir, elle pourra avoir des grands moyens, de gros moyens, pour faire une action plus grande, plus importante. Pour son collègue député national Eliezer Ntamboué, les actes posés par la députée nationale Christelle Vuanga méritent encouragement. C'est une dame qui convainc, c'est une dame qui agit. Donc je venais participer, pas seulement participer, aussi l'appuyer, parce que c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin de ces députés-là qui sont proches de leurs électeurs. La députée nationale Christelle Vuanga, qui est en même temps la présidente de la commission droits de l'homme à l'Assemblée nationale, a donné les mobiles de cette campagne. Nous allons distribuer, rien que pour aujourd'hui, plus ou moins 800 paires des lunettes. Et vous voyez vous-même, les gens viennent de partout de la ville de Kinshasa. Et c'est un plaisir pour nous de travailler avec les partenaires, les gens qui nous suivent. Ils voient comment nous sommes motivés sur les questions de la population, surtout les questions liées à la personne vivant avec handicap. Et l'élu de la FUNA de rassurer que cette campagne va se poursuivre dans sa deuxième phase à l'intérieur du pays. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
Notez pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée des réactions après nomination de Sama Lukonde, nouveau Premier ministre. Du côté FCC, on pense que le Premier ministre ne restera pas longtemps à la tête du gouvernement parce que issu, selon Ferdinand Kambéré du PPRD, d'une majorité parlementaire instable. Vous avez suivi dans ce journal quelques réactions. Top Congo FM. Procès en appel de Vital Kamerhe, les audiences sont de nouveau suspendues. La Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel d'attendre qu'elle rende un jugement pour savoir quelle juridiction va juger la cause. Top Congo FM. C'était une bonne nouvelle pour les travailleurs de la GECAMINE qui ont appris hier la nomination de leur directeur général comme premier ministre pour le président d'un intersyndical du Grand Katanga, Ngoï Kenge. Sama Lukonde servira mieux la GECAMINE en étant à la tête du gouvernement. Top Congo FM. Plus de 200 pirogues des pêcheurs congolais confisquées depuis une année par la marine ougandaise ne sont toujours pas restituées. 12 autres pêcheurs ont été arrêtés hier lundi et torturés par la marine ougandaise. L'association des pêcheurs individuels du lac Édouard espère une intervention urgente des autorités congolaises. Top Congo FM. Voilà, ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Trésor Kiyombo, Ose Manzanza, Myriam Iragi, Barik Bouema, Mami Tchela, Myriam Bokechou, journal réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. La mise en onde était assurée par Chris Bivoula et vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Didi Binsika, Dani Zayobi et Patrick Mungongo. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture.